Merci. La séance va donc reprendre. Avant que le secrétaire général donne lecture des chapitres budgétaires, je vous rappelle pour la parfaite information des personnes présentes, des téléspectateurs, qu'en accord avec le gouvernement, nous débuterons par l'examen des recettes. Nous poursuivrons par les dépenses de souveraineté, assemblée et corps constitué, et puis nous poursuivrons avec l'analyse de la section 7 pour revenir par la suite aux dépenses ordinaires et enfin finir par les dépenses d'intervention publique et les comptes spéciaux du Trésor. Monsieur le secrétaire général, merci de donner lecture des premiers chapitres de ce budget primitif, en commençant bien entendu par les chapitres consacrés aux recettes de l'État. Chapitre 1, produits et revenus du domaine de l'État, 231 956 000 euros. Plutôt 1 milliard. Vous pouvez redonner lecture, s'il vous plaît. Chapitre 1, produits et revenus du domaine de l'État, 231 956 000 euros. Oui, voilà, merci beaucoup. Bien, nous sommes donc sur le chapitre 1. Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? D'abord sur le domaine immobilier, parking public et produits de cession. Mes chers collègues, y a-t-il des interventions ? Oui, Monsieur Grinda. Merci, Monsieur le Président, pour lancer la soirée dans la série parking public. Je vous en prie. Oui, je vous en prie, mais je regarde le ministre d'État qui me sourit très gentiment donc, et qui m'encourage. Il ne sait pas ce qui va suivre. Non, nous sortons bien sûr de cette COP21 et de préoccupations en termes de circulation. Le président s'en est fait l'écho. Il va y avoir en janvier des états généraux de la circulation. Et table ronde. Une table ronde, c'est vrai. Les états généraux, c'est une appellation qui a fait polémique. Française. Oui, mais là, c'est vous qui la prenez, c'est pas moi. C'est vrai, non, très bien. C'est une faute sémantique. Et vous vous souvenez que j'ai déjà, à de nombreuses reprises, évoqué ce problème de la circulation en principauté. Oui, c'est repris par l'ensemble des conseillers nationaux, mais je soutiens qu'une partie du problème vient que sortir sa voiture à Monaco de son parking ne coûte rien. Je prends un exemple tout simple. J'ai un parking que je paye tant d'euros par mois, 90 euros par mois, et on me donne un petit bonus de 10 euros, par exemple, je crois que c'est ça, Mme Gramaglia, plus ou moins, d'une dizaine d'euros si je ne sors pas de ma voiture plus de tant de fois. Est-ce que vous croyez qu'une seconde, quelqu'un va se préoccuper de savoir qu'il va économiser 5-6 euros pour ne pas sortir sa voiture ? Ce n'est pas un moteur. Ce n'est pas ça qui va déclencher le choix de ne pas sortir sa voiture. Je redis donc ce que j'ai déjà dit ici, mais peut-être un jour, on entendra un peu mieux. Et je l'ai déjà dit à Mme Gramaglia, je suis persuadé qu'il faut qu'au-delà d'un certain seuil qui reste à définir, je n'en ai pas du tout l'idée aujourd'hui, ça peut être 50, 60, 70, je n'ai aucune référence à matière. Une certaine prime à l'immobilisation du véhicule. Non, je voudrais que plus on sort, Monsieur le Président, plus on sort sa voiture, au-delà d'un certain seuil, plus ça coûte cher. Oui, à l'inverse. D'accord. C'est l'inverse, mais ça a son importance. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas populaire. C'est ce qui m'a été déjà rétorqué une fois. Mais il faut quand même savoir ce que l'on veut. Les mesures qu'on va devoir prendre dans le cadre de la circulation, dans le cadre de l'environnement, seront forcément des gênes pour les uns ou les autres, automatiquement à un moment donné. Je suis persuadé que l'argument financier peut porter, puisque l'argument que vous avez aujourd'hui ne porte pas. Monsieur le ministre d'État, ce n'est pas une critique de ce que vous avez fait, pas du tout. Je constate que personne ne va dire « je ne sors pas ma voiture parce que je risque de perdre 5 ou 6 euros dans le mois, la petite prime, le petit bonus ». Par contre, si au-delà de 50, 60, il ne s'agit pas d'empêcher les monégasques d'aller faire leurs courses, il ne s'agit pas des gens d'aller chercher leurs enfants à l'école, il s'agit tout simplement de modérer les transports et de réfléchir un peu, et si au-delà d'un certain seuil ça coûtait plus cher, je crois que les gens y seraient quand même plus sensibles. Merci. Là, ça fait, je pense, partie des mesures que la cellule créée devra étudier, parce que c'est tout un ensemble de mesures. Si vous voulez. Moi, je ne crois pas à une seule mesure. Je pense à une batterie de mesures pour dissuader de prendre sa voiture, alors que nos transports en commun marchent très bien. Bon,
Mais pour ça, on compte tous sur Mme Gramalia pour piloter la structure. Merci, M. Grinda. Non, mais je comprends tout à fait votre préoccupation en tant que président de la Commission de l'environnement. Autant le domaine immobilier, les parkings, les produits, enfin, ça représente presque 10% du budget de l'État, de recettes. Mais j'ai l'impression, Monsieur le ministre, qu'avec les pointures qui vont être recrutées, ça correspondra aussi à leur mission de relever avec ce genre de... des économies possibles pour diminuer... Donc vous verrez, Monsieur Grinda, que vous n'aurez même pas besoin d'être impopulaire, ça sera proposé par le gouvernement lui-même. C'est un petit peu ça, en fait. Qui s'y connaît. Hein ? Qui s'y connaît. Qui s'y connaît. Bah, oui, c'est grand avantage de notre régime, c'est que le gouvernement peut parfaitement proposer des réformes qui, parfois, ne sont pas populaires, puisqu'il n'a de compte à rendre qu'à la plus haute autorité. Madame Rougagnon-Vernin. Merci, Monsieur le Président. Alors, je profite de l'intervention de M. Grinda pour le rejoindre tout à fait. Et toujours dans le cadre de cette COP21, de la cellule verte, le fonds vert que vous allez créer, je me demande s'il ne serait pas souhaitable de réfléchir à nouveau, donc dans les le bénéfice financier qu'auraient les personnes à ne pas sortir leur voiture, si leur donner en plus un bénéfice à ne pas dépenser d'argent pour prendre le bus, avec plus de bus, des bus gratuits. Ça rentre dans le même raisonnement et je le rejoins tout à fait là-dessus. Il faut qu'on essaie de mettre tout en œuvre pour arriver à avoir 50% de réduction. Donc ça vaudrait peut-être le coup de tenter l'expérience. Et même en termes de communication, des bus gratuits à Monaco, dans tout un pays avec des bus gratuits, ça serait pas mal. Voilà. Il faudrait aussi que les bus soient électriques. Parce que inciter les personnes à prendre le bus, c'est bien. Si les bus sont électriques. Plus petits même. Plus c'est toute une batterie. C'est toute une batterie. Mais c'est toute une batterie de mesure. Monsieur Boisson. Oui, surtout qu'ils ne sont pas Volkswagen, les bus. Bon, moi j'ai perdu l'illusion de demander des bus électriques. Je fais partie de ceux qui le demandent il y a quelques années. Nous savons qu'un bus électrique n'aura pas la possibilité de monter plusieurs fois l'avenue de stand et qu'ils n'ont pas encore arrivé. Ah, écoutez, bon, c'est intéressant, monsieur le ministre. Alors, si vous avez des éléments qui vont dans le sens contraire, alors allons-y. Moi, les derniers experts que j'ai entendus étaient très réservés parce que malheureusement, Monaco n'était pas adapté pour la circulation de bus électriques. Mais peut-être madame le conseiller, après je... Ici, nous avons des bus hybrides que nous utilisons notamment la nuit. Hybride, on est d'accord, mais tout électrique, non seulement il faudrait un pack de batteries. Bon, écoutez. Oui, mais c'est déjà un grand pas d'avoir des bus hybrides. En tout cas, si vous avez des solutions en matière de... Continuons les bus hybrides et puis bus électriques, ce serait merveilleux. Alors, un petit sujet, puisqu'on parle de stationnement. Croyez-moi, madame le conseiller, ce n'est vraiment pas un reproche parce que je ne sais pas qui peut apporter la solution à ce problème. Je pose le problème parce que beaucoup de personnes le soulèvent. Un certain nombre de personnes qui viennent travailler en principauté, ce n'est pas seulement celles de Monaco à qui on peut dire qu'on pourrait prendre le bus, ont des deux roues. Vous faites des efforts considérables pour agrandir les stationnements. Ce sont des rues entières et malgré ça, c'est impossible à certains moments de stationner avec un deux roues. Et je pose le problème. C'est-à-dire que quand les parkings sont pleins et quand on ne peut plus se garer dans la rue, que fait-on? Et ce n'est pas acceptable de voir des deux roues sur les trottoirs, de voir des deux roues garées n'importe où. Mais je peux vous assurer, Monte Carlo, c'est impossible. Alors je ne sais pas comment s'en sortir. Néanmoins, comment faire si on a un deux roues, si on ne peut pas stationner? On va venir à pied, je ne sais plus. Voilà. Donc, le problème des propriétaires de deux roues, c'est qu'ils ne veulent pas stationner dans les parkings et que nous avons des parkings réservés avec des emplacements réservés pour les deux roues, notamment parking de la colle, qui restent vides. Et par contre, ils se garent de manière anarchique dans tous les endroits où ils peuvent, dans les rues de la principauté. Ils ne veulent pas se garer à l'intérieur des parkings. Nous avons fait des places réservées, des pans entiers C'est vrai. De places de parking, mais c'est très difficile de les forcer à se garer. C'est pour ça que nous avons multiplié, essayé d'éviter ces stationnements anarchiques, les emplacements de roues en surface, mais il n'y en a pas assez par rapport au nombre de deux roues qui se multiplient chaque année. Alors vous avez raison, madame le conseiller. Prenons un exemple, des personnes préfèrent se garer n'importe où à proximité du centre commercial, alors qu'il y a encore des places dans le centre commercial.
Ce n'est pas le cas à Monte-Carlo. Monte-Carlo, vous avez réquisitionné toute la rue Montreux-l'Ermitage, le nom m'échappe, mais en tout cas, ce n'est plus possible. Côté métropole, ce n'est pas possible de se garer. C'est impossible, il faut laisser pratiquement le deux roues à la condamine. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas forcément de solution. En plus, chaque fois que vous trouvez des solutions dans les parkings, vous enlevez des places pour les voitures. Alors, de ce côté-là, l'automobiliste va dire « j'ai pas de place ». Le parking des Moulins, il est bloqué. Il n'y a plus de place pour les véhicules pratiquement toute la journée. Donc, ce sont peut-être des solutions difficiles à trouver, mais je vous dis, je ne le reproche pas parce que je ne vois pas quelle est la solution miracle, mais en tout cas, c'est un problème. À la fois, on ne peut pas demander aux gens, peut-être, prenez des solutions accessoires, ils vont quitter leur voiture. Ils prennent le deux roues, ils ne peuvent pas se garer. Merci, Monsieur Poyer. Merci, Monsieur le Président. Peut-être pour répondre à votre question, je suis moi-même conducteur de deux roues. C'est vrai que le conducteur de deux roues n'aime pas se garer loin de là où il se rend. Il a pris l'habitude de se garer entre deux voitures parce que c'est juste à côté. Et quand on lui dit qu'il faut aller tout là-bas au fond dans le parking, en général, il est assez réticent. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui viennent dire. Et oui, effectivement, c'est de plus en plus difficile, mais voilà. Il y a cette habitude qui est difficile à prendre, en tout cas pour un conducteur de deux roues. Je voulais revenir dans mon intervention par rapport à l'intervention de M. Grinda et puis revenir également sur ce que m'a dit Mme Brogagnon. Effectivement, je rejoins tout à fait les propos de Jean-Louis. Je pense que tant qu'aujourd'hui, il coûte moins cher de prendre sa voiture, d'aller à un autre point, parce que le stationnement une heure est gratuit, finalement, pourquoi je vais payer l'autobus alors que finalement j'ai tout sous la main et il n'y a qu'à y aller et ça ne me coûtera rien. Et donc tout le monde prend la voiture rien que pour aller traverser la rue en face. Et effectivement, la démarche inverse, c'est de dire, ben, et je rejoins Jean-Louis, qui, on est au niveau, deuxième fois, au niveau conceptuel, qui est peut-être difficile à vendre, hein, mais effectivement, tant que ça coûte rien de se déplacer avec le transport en commun, alors je vais avoir tendance à couper le fil et aller avec le transport en commun. Je pense que cette réflexion, il faut la mener. Alors effectivement, oui, il faut arriver à faire passer, c'est peut-être pas évident, mais c'est en tout cas une piste de progrès, je pense. Merci. Monsieur Ficini. Je suis content que M. Boisson ait posé la question et je suis content que Mme Grand-Malia ait donné la réponse. Donc, je passe mon tour. M. Barry Larreau. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord à ce qu'a dit le président de la Commission de l'Environnement et Mme Brogagnon. J'ai quand même un petit doute. Oui, M. Poirier, parce que sinon, il ne va pas être content. J'ai juste un petit doute quand vous nous avez informé des chiffres, des abonnements, des scolaires. Depuis que la carte de bus est à 10 euros. Bon, déjà, une réflexion sur la gratuité, puisqu'on sait qu'il y a au moins un plancher de 10 euros qui correspond apparemment au traitement technique administratif du dossier. Mais 325 ou 330 abonnements pour 5000 élèves, je globalise à 5000 élèves, 5700 élèves même, on enlève les tout-petits qui n'ont pas, l'âge de prendre le bus seul. Ça me semble quand même un chiffre un peu faible au regard de tous les collégiens, de tous les lycéens, de tous ceux qui sont en mesure de prendre le bus. La deuxième chose que j'aimerais dire ici ce soir, et je vais dans le sens de mes collègues sur la gratuité du bus un jour, si elle est possible, tant mieux. Par expérience, je me suis rendu à Genève, dans le cadre du Conseil national. Dans les hôtels de la ville de Genève et du canton de Genève, les hôtels distribuent à tous les clients de l'hôtel une carte gratuite de bus pendant la période où ils résident dans l'hôtel. On parle d'attractivité. Là, on a parlé des problèmes de gratuité pour les bus, surtout pour les gens qui habitent Monaco. Mais en matière d'attractivité, puisque c'est quand même quelque chose de très important pour la principauté, étant donné que la majorité des hôtels de la principauté appartiennent à la SBM, dont l'État est actionnaire majoritaire, il y aurait peut-être une piste de réflexion pour voir si on ne pourrait pas offrir à nos visiteurs qui sont dans les hôtels de la principauté, pendant la durée de leur séjour, une carte gratuite pour les bus. Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui déjà donnerait de Monaco une image qui correspond à ce que le souverain veut faire. Et vous parliez des projets dans la cellule de gestion du fonds vert. Je pense, Madame le conseiller, que ça peut être un des projets auxquels vous pouvez réfléchir avec vos équipes. Je vous remercie. Merci, Madame Brogagnon-Verne. Ah, pardon, je vous en prie. Pardon, excusez-moi, Monsieur le Président. Non, c'est juste un petit peu pour répondre. Le nombre de cartes bus, alors, j'ai plus le nombre en tête exact. C'est un nombre que je vous avais communiqué il y a quand même déjà plus d'un mois. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour de la rentrée que tous les élèves renouvellent leur carte de bus. Donc, si vous le voulez, je ferai un point pour les prochaines séances au jour d'aujourd'hui. Et ensuite, par rapport aux idées qui avaient été énoncées tout à l'heure,
de rendre cher, si vous voulez, l'utilisation de la voiture en peut-être en supprimant la gratuité pendant une heure. Enfin, je ne sais pas, ça avait été évoqué, de dire que les gens qui se déplaçaient, qui sortaient leur voiture, comme de toute façon, en plus, il y avait une heure gratuite, nous allons réfléchir à un système pour essayer de trouver effectivement quelque chose qui va dans votre sens. Et avec cette équipe qui va être dédiée pour essayer d'aller dans le sens d'une réduction des gaz à effet de serre de moins 50% de 2030, nous allons y réfléchir également. Mais je rappelle que cela répondait à une demande forte, et je les comprends, des commerçants de la principauté qui souhaitaient, notamment pour les gens qui venaient de l'extérieur, qu'il y ait au moins une heure ou 40 minutes de parking gratuit pour leur permettre de rentrer, sortir rapidement et de faire leurs courses. Mais nous allons effectivement réfléchir avec cette nouvelle équipe. Merci Madame le Conseiller. Madame Rougagnon-Vernin sur ce sujet, après Monsieur Cucchi. Oui, toujours dans ce domaine, il y a les vélos électriques qui semblent avoir beaucoup de succès. Tous ceux qui les utilisent en sont ravis. Il y en a que je crois qu'il y a des listes d'attente. Je voulais vous demander un petit peu de quel ordre était la liste d'attente. Et ceux qui l'utilisent et qui en sont ravis, ils ont quand même un petit besoin qu'il y en ait plus, parce que parfois, ils ont du mal à retrouver pour revenir ou à trouver une place pour se garer. Quoi. Ouais. Merci. Monsieur Cucchi. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis désolé, mais je ne partage pas l'enthousiasme de mes collègues quant au parking. J'ai du mal à croire que quelqu'un qui habite à Monaco, qui est garé chez lui, il va aller, pour le plaisir d'économiser 3 euros, faire descendre, prendre sa bagnole, aller traverser la ville dans les embouteillages pour aller faire 3 courses dans un parking gratuit. Je pense que s'il veut prendre sa voiture, ce n'est pas parce que le parking est gratuit, c'est pour d'autres raisons. Si on veut, à mon sens, agir là-dessus, il faut rendre nettement plus attractif autre chose que la voiture, tout simplement. À mon sens, le vrai problème aujourd'hui, c'est... dû à la disposition de la principauté, malheureusement, qui est un peu la disposition de l'ensemble de la Côte d'Azur, on est très allongé. Donc tout ce qui est communication est-ouest marche bien, ce qui est communication nord-sud marche moins bien, et je vous garantis que si vous voulez faire rapidement, je ne sais pas moi, Fontvieille, l'hôpital, ou Fontvieille, une partie des Monégetti, eh bien... Le problème, c'est que malheureusement, c'est beaucoup plus rapide, en dehors vraiment des périodes où il y a des gros embouteillages et encore, c'est beaucoup plus rapide d'y aller en voiture, je ne parle même pas en deux roues, que d'y aller en transport en commun. Je pense qu'il faut peut-être réfléchir à d'autres navettes, peut-être électriques ou hybrides, plus petites, qui circulent dans plus de directions, et ça marchera, et plus souvent, ça marchera mieux. Aujourd'hui, la réalité, c'est que si vous partez du jardin exotique et que vous voulez aller à Saint-Romain, pour faire ce que vous voulez, en bus, c'est beaucoup plus long qu'en voiture. Et prenez plein de trajets comme ça, testez-les, comparez le temps que vous mettez en transport en commun avec le temps que vous mettez en voiture, et vous verrez pourquoi les gens prennent la voiture. C'est tout à fait simple. Merci, Monsieur Cucchi. Je souscris à votre intervention parce que vous avez raison. Voilà. Oui. Monsieur Grindin. Pardon. Monsieur Robineau et Monsieur Grindin. Je serai très bref, je voulais juste souscrire et donner un exemple au propos de Monsieur Cucchi. Si vous voulez monter de Fontvieille à l'hôpital par le tunnel de la ZAC Saint-Antoine, vous mettez 5 minutes. Si vous prenez le bus, vous mettez 20 minutes. Merci. Monsieur Grindin. Merci, Président. Je crois qu'aucune des idées qui a été donnée autour de dans cet hémicycle n'est mauvaise en soi. Et je crois que la réponse a été donnée par le ministre d'État et avec Mme Gramaglia, pardon, c'est que cette cellule que vous allez mettre en place va être chargée d'étudier des solutions. Moi, je voudrais qu'on soit bien d'accord sur ce que j'ai dit. Je n'ai pas, à l'inverse de mes collègues, non pas que je sois en dissension avec vous, mais je n'ai jamais dit qu'il fallait supprimer l'heure gratuite pour les gens qui vont faire leurs courses, car je pense que pour le commerce, c'est important aussi. Je dis qu'au-delà d'un certain seuil qui reste à fixer, il faut que prendre la voiture coûte cher. En même temps, si M. Cucchi, je suis votre raisonnement, vous disiez donc que les gens ils préfèrent, peu importe le coût, les gens préfèrent, à peu près, non mais évidemment, dans des coûts raisonnables, je ne travestis pas votre pensée, dans des coûts raisonnables, les gens préfèrent prendre leur voiture. Ben, dans ces cas-là, pourquoi avoir fait la gratuité des bus pour les scolaires?
Bon, enfin, écoute, on voit bien le résultat. Donc, je veux dire, c'est un ensemble de mesures qui marquent. Non, mais ce que je veux dire, c'était, sans aller plus loin là-dessus, c'est un ensemble de mesures qui marcheront collectivement et pas une seule, comme d'ailleurs le disait le ministre d'État. Merci. Je vous rappelle que nous sommes sur le chapitre 1. Y a-t-il d'autres interventions, outre ces recettes du domaine immobilier ? Madame Lavagna. Monsieur le Président, non, juste une petite observation sur les déplacements en voiture pour aller faire des courses. Il y a quand même aussi un problème assez pratique quand on va faire des courses, c'est que ça pèse lourd. Donc même si on ne va pas loin, si par exemple on habite à Fontvieille et qu'on va à Carrefour, généralement on n'y va pas en bus ni même à pied parce qu'il faut revenir avec son marché de course. Désolée de faire le quart d'heure de la ménagère, mais c'est quand même une question assez pratique que chacun pourra comprendre. Donc pour éviter que toutes les personnes qui veulent faire des courses aillent à l'extérieur de Monaco, je pense qu'il est quand même pas trop mal de préserver cette heure de parking gratuit ou dans des prix raisonnables pour ne pas dissuader tout le monde d'aller faire ses courses à Monaco. Il faut penser à des services internes à disposition et de plus en plus parce que finalement... C'est ce qui va également fluidifier l'ensemble de la circulation. Monsieur Robillon. Oui, je ne pensais pas intervenir là-dessus, mais puisqu'on est en train de parler des trafics... On n'en reparlera pas au moment des interventions publiques. Je vais en parler maintenant, comme ça oui, c'est absolument. Fait. Il y a des quartiers aussi sinistrés où c'est plus facile de prendre sa voiture que de prendre un bus. Voilà. Et vous avez par exemple Platy, vous avez une levée de boucliers de tous les gens qui traînent dans la rue Platy, à la rue Croveto ou autre, qui ont vraiment besoin, qui avaient pris l'habitude de cette ligne 5, je crois, 6, 5, 6, je ne sais plus. Moi, je ne prends pas le bus, mais je marche, moi, monsieur. Je marche et je fais du vélo électrique. Donc, en tout cas, en dehors de la plaisanterie, il y a vraiment un problème. Il y a une grande partie de la population qui a vraiment besoin de cette ligne de bus à la rue Platy. Alors, trouvez des petits bus, trouvez ce que vous voulez. Mais là, ça pose vraiment un vrai problème et les gens vraiment en ont marre. On est en train de retravailler sur cette liaison rue Platy puisque nous avons modifié la 5 et la 6 et que effectivement, il y a un tronçon de la rue Platy qui n'est plus desservi. Et Dieu sait que là-dessus, je suis intervenu auprès de vous, Madame Gramalia, notamment et auprès d'un certain nombre de compatriotes des Caroubiers. À qui cette ligne manquait grandement. Bien, Oui, pardon, Madame Amorati, je vous en prie. Pour Madame Gramalia, concernant les vélos électriques, vous nous aviez dit, je veux dire, qu'on augmenterait le parc, justement, des vélos électriques. Où en est cette réflexion ? Il faut augmenter le nombre de vélos électriques, il faut augmenter le nombre de parcs et d'emplacements. Oui. Et en ce moment, il y a des endroits dans la principauté où on ne peut pas, pour l'instant, mettre des parcs de vélos électriques, puisqu'il y a pas mal de travaux sur la voie publique. Mais effectivement, nous voyons avec la CAM pour augmenter le nombre de stations et le nombre de vélos. D'accord. Est-ce qu'il y a des subventions qui sont données aux particuliers qui utilisent des vélos électriques ? Non, il y a c'est le cas pour les voitures ? Non, mais il y a un tarif. Le tarif est assez intéressant pour se servir des vélos électriques. Donc, il n'y a pas de subvention et il n'y a pas de subvention à l'achat pour des... Là, ce n'est pas de l'achat, hein, ce système de vélos électriques. Non, je sais. Et pour acheter des vélos électriques, il n'y a pas de subvention. D'accord. Mais vu qu'il y a une énorme liste d'attente pour pouvoir bénéficier des vélos électriques, donc c'est un petit peu sinistré. Donc, il n'y a plus personne qui peut maintenant s'inscrire. Et tout le monde est en attente plutôt d'avoir il y a de nouvelles stations là, de l'année prochaine qui devraient être installées. Ça devait déjà être le cas l'an dernier. Il y en a eu une de rajoutée vers les Moneghetti, me semble. Et il y a plus de vélos électriques dans les différentes stations, puisqu'on retrouve pas mal ce phénomène de stations qui sont vidées dans la journée. Donc nous avons essayé de mettre en place un système plus performant pour que les vélos soient systématiquement ramenés un petit peu partout dans toutes les stations qui sont installées dans la principauté. Mais le système est perfectible. Et maintenant, nous sommes en train d'étudier ça avec la direction de la prospective qui a récupéré le commissariat de gouvernement sur la,
sur la CAM, et nous travaillons avec la CAM et avec la DEPUM là-dessus. Je vous remercie. Merci, monsieur Lavena. On est toujours dans le chapitre 1, je ne sais pas si on peut passer au monopole. Ou si j'aimerais bien, mais je ne peux pas empêcher... Non, mais s'il y a d'autres gens qui veulent finir sur le sujet précédent, voilà. je décale. Que monsieur Robineau veut finir sur la circulation, je vous en prie. Sur les vélos. Sur les vélos. En fait, je ne comptais pas intervenir, mais petite remarque sur les vélos électriques, j'ai rien contre, c'est très bien, c'est sûrement un très bon moyen de diminuer la pollution, de diminuer la circulation. J'y vois trois obstacles, tout de même, qui en limitent l'intérêt. C'est le panier de la ménagère, c'est la personne âgée, et puis c'est les intempéries. Et le relief. Je veux dire, on sait très bien... Le relief, il y a une assistance électrique, alors il faut appuyer sur un bouton pour s'aider, mais pour autant, je veux dire, je pense que c'est effectivement une mesure qui vient en complément d'un certain nombre d'autres. C'est vrai qu'on a quand même une belle saison qui est longue à Monaco. Pour autant, ça ne résout pas tous les problèmes. Donc je pense qu'il faut effectivement se pencher sur toutes les autres solutions. Je crois que c'est une parmi tant d'autres. C'est ce qu'on m'a dit le ministre, et une parmi tant d'autres. Merci. Donc concernant les monopoles concédés, M. Lavena, vous voulez commencer par le... Oui, pardon, décidément, je suis désolé, pardon madame, moi aussi. Je vous en prie, je présume que c'est sur ce sujet. Est-ce que je peux juste poser une question sur les bus ? Bien sûr. Combien, en fait, en dehors de la CAM, quels sont les accords que vous avez avec les bus des communes limitrophes ? Combien de bus passent par jour dans les rues de la principauté ? À combien d'arrêts ils utilisent en ville ? Parce que quelquefois, on se retrouve avec, à un arrêt, par exemple, de l'Office du tourisme, à se retrouver avec 5 bus qui attendent de décharger leurs passagers. Donc, et pas seulement des bus de la CAM, en fait. Oui, tout à fait, puisque nous avons des arrêts de bus qui sont réservés également aux bus qui traversent la principauté. Nous avons la ligne 100, la ligne 101, la ligne 18 qui vient de Beausoleil. Donc il y a des emplacements qui sont réservés pour la régulation de ces bus. Notamment, vous parliez devant l'Office du tourisme, où là c'est un emplacement assez important. Et tous les bus qui transitent par la principauté de Monaco n'ont pas le droit de s'arrêter à tous les arrêts, mais il y a certains arrêts où on leur permet de s'arrêter, et ça rend service à, bien sûr, tous les gens qui viennent en nombre travailler dans la principauté de Monaco, et que ce soit du côté est, qui viennent du côté est ou du côté ouest de la principauté de Monaco. Alors le nombre exact de bus, je n'en sais rien. Je pourrais me renseigner avec la France, mais effectivement, il y a plusieurs lignes qui passent par la principauté de Monaco. Et qui cheminent à l'intérieur de la principauté, notamment avenue Saint-Laurent, c'est pas mal, parce que quand le double bus passe, la circulation est arrêtée. C'est quand même assez efficace. Madame Rossi. À propos des doubles bus, les doubles bus, c'est super, mais aux heures de pointe. Après, pendant la journée, c'est vrai que les doubles bus sont entièrement vides. C'est super sur ceux qui sont en face dans les virages. Oui, aussi. Oui, non, ils ne sont pas adaptés. Non, c'est sûr que les doubles bus, c'est intéressant parce que ça fait transiter beaucoup de personnes dans un même véhicule. Mais c'est vrai que bon, le matin et le soir, ça paraît indispensable. Mais c'est vrai que dans la journée, si on regarde, ils sont vides. Et effectivement, c'est pas évident pour eux de circuler dans les rues de la principauté. Ou du moins, ils ont des trajets peut-être qui ne sont pas forcément adaptés à la longueur des bus. C'est sûr que toutes les rues de la principauté ne sont pas adaptées à ces bus, double bus. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de réfléchir, et je dois faire bientôt une réunion avec différents commerçants du boulevard des Moulins, puisque je voudrais essayer d'éviter que ces doubles bus passent par l'avenue de Saint-Laurent et bloquent effectivement, puisqu'ils sont très très larges et qu'ils sont obligés de monter sur le trottoir lorsqu'ils tournent. Donc c'est un problème. Ceci dit, ces doubles bus dépendent de la France. C'est la France qui a choisi d'intégrer ces bus dans son système de navettes entre Nice et la principauté de Monaco. Et ça répondait déjà, en fait, déjà une attente, si vous voulez, de la part de la principauté de Monaco, qui est qu'il y ait moins de temps d'attente entre Nice et Monaco, puisque souvent les bus étaient pleins. Donc avec ce système, ça permettait à des frais plus réduits pour la France, avec un seul chauffeur, de pouvoir emmener beaucoup plus de bus.
Nous avons créé aussi, je vous le rappelle, à la demande de la Principauté de Monaco, la ligne 101, qui est une ligne de bus. Ce ne sont pas des doubles bus, là, qui part de Saint-Laurent-d'Aise et qui arrive jusqu'à Roquebrune-Cap-Martin pour essayer de pallier ce manque de bus dans la journée, notamment des gens qui travaillent vraiment, qui habitent en proximité de la Principauté de Monaco, qui attendent le bus pour venir travailler, et le bus arrive qui est arrivé toujours plein. Donc ces bus sont assez utilisés, mais il est vrai que toutes les rues de la Principauté, comme d'ailleurs dans Nice, hein, ne sont pas toutes dimensionnées pour faire pouvoir passer deux gros bus en même temps. Bien, Monsieur Boisson. Rapidement sur ce sujet, les avis peuvent être très partagés, surtout au niveau des commerçants. Mais il pourrait être imaginé une étude pour remettre le boulevard des Moulins à double sens. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où le boulevard des Moulins a été mis en sens unique, c'est au moment où a été mis le giratoire. Donc on n'a jamais eu l'occasion de voir le boulevard des Moulins à double sens avec le giratoire. Peut-être qu'il aurait fallu le giratoire et dans un deuxième temps. Parce que le problème que vous soulevez le plus articulé, c'est bien sûr le passage. Donc s'ils ne passent plus par Saint-Laurent, ils vont passer pour l'heure des Moulins, vous allez faire une voie de bus, on peut se demander si ce n'est pas au porteur. Alors on va dire le problème du trottoir, ça veut dire qu'on va encore recasser les trottoirs, ça fera 10 fois en 15 ans, et on va encore les retrécir, que peut-être ça ne va pas convenir à des commerçants. Je pense qu'on peut trouver une juste mesure entre des trottoirs où il passerait 7 personnes, j'exagère en tout cas 5 personnes les uns à côté des autres, et un trottoir trop petit. Voilà. Mais je pense que ça mérite de réfléchir. Je ne prétends pas avoir raison. Peut-être que le problème se poserait quand même. Mais l'avenue Saint-Laurent est quand même un problème d'engorgement évident, et surtout en matière de sécurité. Il doit y avoir un dégagement par les secours, il ne passe pas du tout. Hein. Voilà. À voir, bien. Madame le Grossier. Merci, alors, mes chers collègues. Cette étude a été réalisée, puisque c'est celle que je me propose de présenter aux commerçants de la Principauté, parce que nous l'avons travaillée en interne au sein de nos équipes, et nous l'avons présentée au département de l'Intérieur. Et l'inconvénient de remettre en double sens le boulevard des Moulins est la suppression de beaucoup de places de stationnement, notamment ces fameuses places en épi qui sont au départ de l'avenue du boulevard des Moulins. Donc ça nécessiterait, donc deux solutions ont été envisagées. Une solution qui consiste à ne laisser passer en sens unique que les bus. Non, on ne va pas repartir sur la circulation, là, ce n'est pas possible. Non, je ne vous fais pas... Je sais, Madame, vous y êtes pour rien, mais... Je réponds à la question précise. On me demande d'étudier la mise en double sens du boulevard des Moulins. Je ne l'ai jamais abordée jusqu'à présent. On a une réunion le 22 janvier, mes chers collègues. Alors, je vous propose de revenir le 22 janvier, mais cette étude a été faite, et je vous en donnerai donc le 22 janvier, puisque, semble-t-il, vous voulez passer à un autre sujet, les avantages et les inconvénients de cette étude qui a déjà été effectuée. Voilà. Merci, Madame le Conseiller, de saisir les commerçants. Merci, Madame Gramalia. Rien contre vous, mais c'est pour qu'il faut qu'on puisse avancer. Je vous rappelle qu'on est sur les recettes, nous ne sommes pas sur les dépenses. Les autobus à circulation, c'est dans le cadre des dépenses. Monsieur Pasquier, après, je passe à un autre sujet, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je voulais parler des produits de cession, mais avant de faire ça, je ne peux pas empêcher de vous rappeler qu'il y a à peu près un an, j'avais lancé cette idée de la première heure de parking. Et j'avais nommé mon intervention « Cabris mort n'a pas peur du couteau ». Et donc, je suis content de voir que même les cabris morts font des petits. Donc, ça, c'était la... Je voulais faire quelque chose sur les produits de cession. Et je voulais vous dire la chose suivante, Monsieur le Président. Alors, nous changeons de sujet. Nous passons aux produits de cession avant de passer au monopole. Je vous en prie, est toujours sur le grand A. Alors, produit cession, un poste de police de quelques mètres carrés finançant par la vente de terrains qui appartiennent à l'État, jouxtant le palais de la plage, pour 10 millions d'euros. Un promoteur qui réalise un profit de l'ordre du milliard d'euros sur une seule opération, profit potentiel. Le même promoteur attributeur du projet testimonial sans fournir de garantie bancaire pour l'achèvement des travaux et sans qu'on sache vraiment ce que coûtent les infrastructures publiques en échange des droits de construire. Un projet d'extension en mer et un projet de l'esplanade des pêcheurs structuré sur un modèle similaire d'échange de droits à construire contre des infrastructures publiques et sociales. Et tout cela sans que le budget ne soit affecté. Et pourtant, selon l'article 38 de la Constitution, celui-ci devrait exprimer la politique économique et financière de la Principauté. Donc je rejoins l'intervention liminaire de M. Ritz. Et je me demande,
Ce budget qui est en face de nous, est-ce qu'il reflète vraiment la politique économique de la principauté ? Ne sommes-nous pas en train de vendre notre bien le plus précieux, nos droits à construire, nos mètres carrés, pour reprendre l'expression de M. Grindat, pour un plat de lentilles ? Et même si c'était le cas, je voudrais voir le plat de lentilles dans le budget, M. le Président. Merci. Merci, M. Pasquier. Je ne peux pas ne pas adhérer au principe de votre intervention. Donc, signe... Pardon ? Pardon, M. Grindat ? Ça n'a pas répondu beaucoup. Oui, eh bien j'attends que M. le conseiller pour les finances puisse répondre à M. Pasquier. Je ne vois pas trop quoi répondre, à part que nous partageons sa préoccupation, qui est une préoccupation commune également dans l'hémicycle, de valoriser chaque mètre carré de la manière la plus efficiente possible. C'est exactement pour cela que certaines des opérations que vous avez mentionnées devraient être financées sans avoir recours à un financement total ou partiel de l'État, et qu'en revanche, concernant plus précisément les produits de cession, nous avons mis en place ce dispositif dont s'acquittent aujourd'hui les promoteurs dans leur intégralité lorsque leur sont conférés des droits additionnels de surdensification ou de construction sur des terrains d'ailleurs qu'ils leur appartiennent, ou que ces terrains nécessitent, on en a eu d'autres exemples, des lois de désaffectation. Donc à chaque fois, il y a un principe qui est connu et accepté de tous, et les chiffres que vous retrouvez dans le budget primitif 2016 sont des chiffres relativement conservateurs, puisque nous pensons, là encore, qu'un certain nombre des opérations qui ont été identifiées, pour lesquelles des promoteurs se sont mis d'accord avec l'État, devraient rapporter plusieurs millions d'euros au budget de l'État, indépendamment de tout ce qu'elle rapporte par ailleurs en TVA, en emploi, en éventuel droit de mutation ou droit immobilier divers et variés auprès de la direction des services fiscaux. Donc voilà, ça rapporte beaucoup plus in fine que les seuls produits de cession que vous voyez apparaître dans le fascicule page 4. Parfait. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, nous passons au grand B, au monopole. Monsieur Lavena. Trois petites choses, juste pour effleurer le sujet. D'abord, remercier le gouvernement d'avoir enfin organisé cette commission mixte des concessions sur les sujets RMC, MCR, TMC, les positions satellitaires. C'était utile, que ce soit pour mes collègues ou pour moi, je pense qu'on y a appris et clarifié énormément de choses, d'autant qu'il y avait réuni autour de la table un certain nombre d'experts du domaine, donc ça c'est une bonne chose. Remercier aussi le gouvernement de la réponse qu'on vient de recevoir sur la question sociale à Monaco Télécom qu'on avait posée. Je n'ai pas encore lu tout ça et digéré tout ça dans le détail, mais sur la forme, le sérieux et le côté exhaustif de la réponse qu'on a reçue, me semble un échange très satisfaisant. Et puis, alors c'est un total prétexte, parce que je vois dans ces monopoles qu'on se dé deux lignes de la SMA, et je ne voudrais pas qu'on y passe trop longtemps, mais des compatriotes habitant sur le Rocher m'ont transmis un courrier amusant de Madame Gramalia sur la gestion des poubelles. Je résume, la gestion des poubelles est difficile à Monacoville, donc on a créé deux locaux dédiés, ça marche tellement bien que ça déborde, et donc on a décidé de mettre des clés ou des badges et de faire payer des cautions pour les badges, etc. Alors, j'ai du mal à comprendre en quoi la solution proposée va empêcher les gens qui ont oublié leur badge ou qui n'en ont pas de continuer à mettre leur poubelle en dehors et en quoi ça règle la question. Voilà. Donc, Alors, le problème s'était vu avec l'association effectivement des habitants du Rocher qui était venue nous trouver pour nous proposer cette solution. Le problème étant que lorsque la SMA ne peut pas passer à tout instant de la journée, ramasser les poubelles. Et vu avec cette association, nous avons décidé de réguler
les heures de passage, c'est-à-dire que les gens doivent savoir exactement à quelle heure la SMA passe, plusieurs fois par jour bien sûr, passe pour prendre toutes les poubelles, pour que ces poubelles ne restent pas sur le trottoir toute la journée, au vu des touristes qui défilent toute la journée. Donc l'idée c'était de dire, ben voilà, dans les locaux, d'abord n'importe qui ne peut pas décharger puisque nous avons les badges et que l'accès à ces locaux poubelles sont réglementés. Et à telle heure, la SMA va passer pour éviter cet amoncellement anarchique tout au long de la journée, n'importe quand, sur le, comment dire, dans les rues de la principe de Monacoville. Maintenant, j'entends, et donc on va essayer de voir comment on peut améliorer le système, j'entends que, effectivement, ce qui semblait être une très bonne idée au départ, puisque organisé principalement par les habitants du Rocher, se révèle quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait correctement. Donc on va faire le point avec l'ADO et avec l'association et les habitants du Rocher, puisqu'il semblerait que finalement cette association n'est pas tous les habitants du Rocher, faire le point tous ensemble et de voir comment remédier à cette situation, comment l'améliorer. Mais le but, c'était effectivement d'éviter que, notamment les restaurateurs, ne mettent des déchets toute la journée dans les rues de la Principauté. Enfin, je comprends le but, mais je ne vois pas bien comment la solution permettait d'y remédier. Mais donc, on va arrêter. Sur ce sujet, Monsieur Burini, en prie. Non, c'était sur la SMA. Je vais en profiter dans les recettes, puisqu'on parle de la SMA. Parce que l'année dernière, on avait abondé le fonds de retraite complémentaire du budget de l'État de 5 ou 6 millions d'euros, il me semble, avec un versement de 400 000 euros par an. Or, il y a quelques semaines, il y a eu un conflit social larvé qui a commencé, etc. Je voulais savoir où on en était pour nous rassurer qu'il ne puisse pas y avoir de grève des éboueurs à Monaco. Pour l'attractivité, ce ne serait pas extraordinaire. Oui, alors, dossier, merci, Président, co-géré par Marie-Pierre Gramalia, qui a la tutelle de la concession. Et puis, évidemment, quand on parle de social, je peux intervenir aussi. On travaille en fait ensemble avec Madame Gramalia sur ce sujet. Donc, en fait, la grève de la SMA était indirectement liée au sujet. C'était parce qu'une prime n'avait pas été versée de rendement. Mais c'est vrai qu'indirectement, l'argument des dirigeants était qu'ils attendaient l'accord sur la surcomplémentaire pour verser la prime. Donc finalement, ça s'est arrangé. Ils vont la verser avant l'accord. Pour l'accord, donc le sujet important que vous soulevez, qui a des conséquences importantes sur le plan, hein, effectivement, financier dans les prochaines années et décennies, puisque cette surcomplémentaire coûte très cher à la société et que l'État est en partie donc caution, puisqu'on s'est engagé à 50% du financement de la surcomplémentaire. Nous avons reçu, Mme Bramélia a reçu tout récemment l'étude complémentaire qui avait été demandée par le gouvernement, comme le souhaitaient les syndicats, hein, donc de la société. Et je crois qu'elle est sur le point, si ce n'est fait, Monsieur le ministre, d'être transmise aux syndicats par vous-même. Donc nous comptons en janvier, Monsieur Burini, nous comptons en janvier réunir, je dirais avec l'arbitrage du gouvernement, hein, les dirigeants de la société et les représentants du personnel, avec les études complémentaires qui confirment bien que ce régime est extrêmement déficitaire dans les prochaines années et qu'il n'est pas raisonnable d'aller au-delà de l'effort considérable qui est déjà proposé par le gouvernement en partie et par la société pour l'autre partie. Il va donc falloir trouver un accord avec les représentants du personnel, et c'est l'objet de la prochaine réunion qu'on organisera en janvier avec gouvernement, donc dirigeants et représentants du personnel. Merci de votre réponse. Je vous en prie, madame. Je voulais peut-être ajouter juste une petite précision sur les locaux poubelles. Il y avait deux, sur le Rocher, il y a deux locaux poubelles, et dont je vous disais qu'effectivement, il y avait pas mal de, notamment de restaurateurs qui mettaient beaucoup de déchets. Les cartons ne sont pas pliés, souvent, donc ça prend beaucoup de place. Donc nous avons décidé, donc, outre d'augmenter le passage de la SMA, qui a un coût, d'optimiser l'emplacement de ces locaux poubelles, puisque
on voudrait mettre en place des compacteurs pour pouvoir réduire le volume, on va dire, des déchets. Donc il faut connaître les habitudes des gens, les orienter pour savoir, parce qu'on ne peut pas mettre le compacteur et diverses installations pour réduire ces déchets dans tous les locaux poubelles par manque de place. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a beaucoup de livraisons qui arrivent sur le Rocher ou dans d'autres endroits de la Principauté. Et souvent, c'est les livreurs qui vont livrer des paquets à Monaco. Ils voient un local poubelle ouvert, accessible. Ils déchargent toutes les poubelles et tous les cartons qui encombrent, une fois qu'ils ont livré la chose, qui encombrent leurs cartons, et ils repartent. Donc ça évite un amoncellement supplémentaire de cartons de la part des gens qui viennent livrer de l'extérieur. Et en France, ce système de locaux poubelles qui sont fermés se généralise de plus en plus, puisque ça responsabilise plus les gens, puisque ne sont censés se servir de ces locaux que ceux qui ont un accès, donc qui sont répertoriés, puisqu'ils ont soit un badge, soit des clés, donc ils peuvent être identifiés. Alors que si les emplacements poubelles ne sont pas fermés et que tout le monde peut y accéder, ben tout le monde peut venir mettre n'importe quoi et ça déresponsabilise même ceux qui habitent à proximité de ces locaux poubelles, puisqu'ils savent très bien que comme on ne peut absolument pas retracer l'origine des déchets, ils mettent n'importe quoi. Donc c'était dans cette optique-là, mais le système mérite bien sûr d'être amélioré. Spontanément, j'avais envie de dire que si les gens trouvaient la porte fermée, ils déposaient leur poubelle devant. Mais si vous dites que les livreurs ne se comportent pas comme ça et qu'un certain nombre de gens ne se comportent pas comme ça... On essaye aussi de les éduquer un peu et de dire on veut bien mettre de l'argent, on veut bien passer plus souvent, mais il faut que tout le monde y mette du sien. Parfait. Bien. Le sujet des poubelles est donc clos. Je reviens toujours dans ce sujet. Monsieur Poyer, sur le sujet... Alors, c'est pas pour faire les poubelles, mais c'est pour parler de la SMA. Merci, Monsieur le Président. C'est pas facile d'essayer de maintenir le fil. Ne vous inquiétez pas. Une fois n'est pas coutume, je profite de l'inscription des recettes de la SMA pour évoquer, et donc les recettes sur la vente de l'énergie et les vapeurs, pour évoquer le futur de l'usine d'incinération. Alors, je sais bien que ce débat est précoce, puisqu'on aura à l'aborder dans la partie des dépenses, pour ma part... Messieurs, merci. Merci de votre soutien. Et justement, c'est pour cadrer un peu le débat qu'on abordera certainement au moment des concessions. Voilà, je me pose en fait deux questions. Est-ce qu'il est correct de penser que la principauté doit être autonome dans le traitement et la valorisation de ses déchets et qu'elle ne peut pas exporter ses déchets à cause des conventions qu'elle a déjà signées ? On a ce débat et je pense qu'à un moment donné, il faut effectivement, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous expliquer clairement et que les choses puissent être claires. C'est clair. Et tant mieux. Je crois que vous avez une autre question, monsieur. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez fait mon texte. Non, je n'ai pas fait votre texte. Je suis surpris. Et donc, la deuxième question, merci, monsieur le Président. Si tel est le cas, est-il encore correct de dire qu'il nous appartient de trouver une solution in situ, suite à un appel d'offres que le gouvernement devra lancer, ouvert à toutes les solutions techniques et aux nombreux acteurs référents, solutions techniques qui devraient être intégrées dans le tissu urbain ? On connaît tous l'engagement du souverain sur la sauvegarde de l'environnement et la réduction des émissions à gaz à effet de serre. Au moment même où se tient la COP21, nous pouvons légitimement nous poser ces questions qui sont au cœur même de la stratégie que nous devons mener. Cette réflexion est structurante pour au moins les 50 prochaines années si on tient compte de la durée totale de l'usine. Et nous ne pouvons pas, à mon avis, nous passer de ce débat. Mais en cadrant ce débat, et je compte sur votre réponse, monsieur le ministre. Sur le premier point, je laisserai Madame Gamalia répondre sur le reste. Pour plusieurs raisons, il est impossible de faire traiter nos déchets à l'extérieur, à l'étranger. La première, c'est que les conventions internationales auxquelles Monaco est partenaire prévoient clairement, alors je ne sais plus le nom de la convention, mais la convention de Bâle, prévoit clairement qu'on ne peut exporter ces déchets que si on fait la preuve qu'on ne peut pas les traiter. Malheureusement, depuis des années, nous les traitons, les déchets. Donc on ne va pas brusquement dire aujourd'hui à la communauté internationale nous ne pouvons plus traiter nos déchets, parce qu'il y a le collège à côté. Donc, première raison. Deuxième raison, traiter à l'étranger nos déchets, ça veut dire une noria de camions
Et donc, quid de l'émission de gaz à effet de serre? Enfin, c'est rajouter la pollution, c'est rajouter les difficultés de circulation sur les routes. Troisièmement, on ne trouvera personne qui veuille nos déchets. Personne ne veut des déchets des autres. Déjà qu'on a du mal à accepter les propres, les nôtres propres, on ne va pas demander à la France de traiter nos déchets. Quatrièmement, pour une question de souveraineté nationale qui, à mes yeux, est essentielle, nous ne pouvons pas dépendre de la France ou de l'Italie pour traiter nos déchets. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une grève un jour dans l'usine de la vallée de la, du Var qui aurait accepté de prendre nos déchets. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre capacité de garder nos déchets non traités à Monaco? C'est 24 heures, 48 heures? Donc, et également, Monsieur le ministre, je crois que la question aussi qu'on se pose, parce que ce n'est pas notre métier, c'est de la technicité. On avait d'ailleurs reçu, et on avait fait une CPE là-dessus il y a un certain nombre de mois, c'est sur la méthode technique employée en matière de traitement des déchets. C'est-à-dire, est-ce qu'on va incinérer, est-ce qu'on ne va pas incinérer? Ça, la question... Ça, c'est un autre sujet. D'accord. Mais sur le premier sujet... Moi, ce que je voulais sujet, savoir ce soir, et parce que... Oui, mais Mme Gravania va répondre. Beaucoup de nos compatriotes nous posent la question et on tergiverse en leur disant, l'usine d'incinération dont vous nous confirmez ne peut que rester ici parce que c'est une absolument de souveraineté nationale. Bon, elle chauffe également le fond vieille, mais plus, nous, oui, sur la technicité alors, et les méthodes, ça, le recours bien, aux méthodes en matière d'incinération et autres, moi, je me sens bien incapable de donner un avis là-dessus. Mais c'est important qu'on commence un petit peu à rentrer dans un schéma un peu plus clair, Madame le conseiller. Écoutez, la technologie, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, effectivement, la technologie utilisée actuellement, c'est l'incinération, et la technologie qui sera utilisée dans le futur sera peut-être l'incinération, peut-être une autre technologie, puisque nous lançons un appel d'offres prochainement, avec ouvert à toutes les technologies que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, du moment que la conception, la réalisation, l'installation et la maintenance de cette usine devra être, bien sûr, dans l'appel d'offres et répondre à l'appel d'offres et sera étudiée. Il y a également une composante environnementale importante et une composante émission en CO2 maximum qui a été faite suivant l'étude de base que nous avait présentée le cabinet Merlin qui avait travaillé avec nous à l'époque, qui a été définie par rapport à cette étude, qui avait trouvé une solution minimum de base et qui préconisait une diminution de 5 380 tonnes par an par rapport à l'usine d'incinération actuelle. Donc, cette émission de gaz à effet de serre sera un des éléments pris en compte lorsque nous analyserons les différentes offres de cet appel et on retiendra effectivement la solution qui sera la plus efficiente sur le territoire de la principauté de Monaco dans tous ses aspects. Merci. Donc, à demander la parole très en amont, le docteur Reed, et après monsieur et le docteur Cucchi, et après un troisième docteur, docteur Robillon, après monsieur Boisson, et après monsieur Alavena, et après monsieur Bohiri. Bah, écoutez, je suis désolé. Bon, et après, peut-être vous ferez passer avant madame Rougagnon-Vernin et monsieur Grinda sur ce sujet. Docteur Reed. Oui, j'ai eu du mal à avoir la parole, Monsieur le Président, donc je reviens un petit peu en arrière, mais je reste quand même, rassurez-vous, dans les déchets. Nous avons tous fait ce cauchemar de la grève hypothétique de la SMA et de la non-collecte des déchets pendant un certain nombre de jours. La question que je voulais poser justement à Mme Gramalia, ou enfin au gouvernement, est quel est le plan de secours qui, je suppose, n'a pas manqué d'être déjà établi en cas de grève des agents de la SMA pour ne pas laisser, somme toute, les déchets pendant X jours, ce qui, dans une ville comme Monaco, ne manquerait pas d'avoir des conséquences épouvantables. Il y a un service minimum. On sait que l'on peut tenir 3 jours maximum sans être envahi par les poubelles. Il y a un service minimum qui est organisé en cas de grève, qui sera des agents qui seront réquisitionnés pour faire pas autant de passages, bien sûr, qu'en temps normal, mais qu'un minimum de déchets soit évacué pour ne pas envahir la principauté.
Alors, si c'est uniquement sur la base d'une réquisition et par rapport à ce qui peut exister dans d'autres pays, puisque je me souviens, ça remonte à très longtemps, avoir vu à Marseille l'armée se charger effectivement de conduire les camions et tout cela. Donc il doit exister des plans. Est-ce qu'il ne serait pas opportun peut-être d'avoir un plan un peu plus copieux, un peu plus structuré, compte tenu, encore une fois, des conséquences épouvantables dans le tissu social monégasque, en fait. On peut faire le point avec la SMA, mais enfin, depuis, il n'y a jamais eu, d'autant que je me souvienne, la principauté, je n'ai jamais vu, et je n'ai pas 20 ans, la principauté envahie par les déchets en principauté de Monaco. Mais le système fonctionne bien. Voilà, donc je vais quand même faire le point avec la SMA, bien sûr, mais pour l'instant, même s'il y a eu des jours de grève ou des petits pics de grève, nous n'avons jamais été envahis par les déchets à Monaco, et je voudrais pour cela remercier la SMA. Parfait. Docteur Cucchi. Merci, Monsieur le Président. En fait, moi, la question que je me pose, c'est jusqu'à présent, on nous a expliqué que l'incinération, parce que c'était une méthode connue, était sans doute la meilleure méthode. Moi, je ne suis pas spécialiste. Il y a une chose qui m'embête. C'est, à mon sens, mais vous allez sans doute m'expliquer que je me trompe, l'incinération, ça produit quand même pas mal de gaz à effet de serre. Et les objectifs définis par notre souverain sont des objectifs ambitieux. Donc ça me paraît difficile de vouloir maintenir cette politique ou ce choix de la sécurité relative par l'incinération, si on met en première ligne l'émission de gaz à effet de serre. Je pense que dans ce cas-là, peut-être que... Oui, mais attendez, je ne pense pas que c'est en supprimant 3 voitures et en mettant 4 vélos électriques qu'on réduira les gaz à effet de serre significativement par rapport à l'émission d'une usine d'incinération. Il faut quand même être honnête. Donc, a priori, l'incinération, et c'est ce que je voudrais savoir, n'est plus d'actualité. Donc, est-ce que, sauf à dire que ça va rendre la possibilité de répondre aux objectifs fixés particulièrement aléatoire ? Et moi, je veux qu'on y réponde, évidemment. Donc, dans ces conditions, est-ce qu'il ne faut pas s'orienter dès à présent et de manière... prendre une orientation diamétralement différente et dire on fait un appel d'offres sur la technique la plus innovante en termes d'environnement. Parce que je vous rappelle que quand le prince Rainier III a décidé la création de l'usine d'incinération, c'était la plus moderne ou une des plus modernes jamais installées. Aujourd'hui, et je ne sais pas si on était à l'époque sur le système le plus classique, le plus habituel, je pense plutôt que c'était un système ultra-moderne et novateur. Mais je pense qu'on doit se réorienter vers un système ultra-moderne et novateur. Alors certes, il y a un risque, peut-être qu'il marchera moins bien au début, peut-être qu'il faut voir avec le pays voisin s'il n'y a pas la possibilité, au cas où cette technologie mette un certain temps à être stabilisée, de pouvoir traiter les déchets ailleurs, le temps d'eux, mais je pense qu'on peut plus se permettre de rester sur l'incinération. Alors, pour essayer en tout cas de répondre à votre question, d'abord, on n'a pas le choix. On doit traiter nos déchets sur notre territoire. Je ne dis pas qu'il faut l'usine d'incinération. On doit, donc, premier postulat, on ne peut pas faire autrement. Deuxième postulat, à partir de ce moment-là, quelle est la méthode qu'il faut adapter en principauté de Monaco ? Un cabinet conseil avait préconisé, en fonction de l'emplacement, en fonction de la taille réservée à cette usine, en fonction de beaucoup de paramètres, la méthode d'incinération. Ça ne sera peut-être pas celle, et je le répète, qui sera retenue, puisque nous sommes ouverts à toutes les différentes propositions. Il faut également savoir que l'usine d'incinération qui a été faite il y a pas mal d'années, maintenant, si demain il y a une autre usine d'incinération qui vient s'installer en principauté, qui sera construite en principauté de Monaco, ce que je n'affirme pas, je suis bien claire, les nouvelles méthodes, les nouvelles méthodologies qui existent contribueront à produire beaucoup moins d'effets de gaz à effet de serre, même si nous avons une usine d'incinération. Souvent, nous utilisons des méthodes de construction similaires, mais avec des méthodologies différentes qui font que c'est ce qui se passe. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Donc voilà,
Et on verra, ça sera l'analyse de tous ces différents paramètres qui va faire qu'on retiendra telle ou telle méthode d'incinération ou en tout cas de valorisation de ces déchets. Monsieur Cucchi, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Ce que je veux dire, c'est quand il y a eu cet appel d'offres et cette étude du cabinet spécialisé, il ne me semble pas, enfin, en tous les cas, nous, on n'était pas au courant, que les objectifs à atteindre en termes environnementaux avaient été clairement fixés. Donc, aujourd'hui, il me semble que les cartes, le jeu est rebattu. Donc peut-être qu'il faut reposer la question. Tout à fait. Le critère environnemental dans l'implantation de cette usine sera très important, mais l'usine, on doit pouvoir gérer nos déchets à partir de notre territoire. Voilà. Et on ne peut pas, malheureusement... c'est interdit par des conventions que nous avons ratifiées. On ne peut pas, comme cela avait été proposé, faire une usine de traitement des déchets ou d'incinération en mer. Ce n'est pas possible. Nous avons ratifié la convention de Barcelone. La Chine ne l'a pas ratifiée. Ça m'avait été également précisé et elle a pu le faire. Mais la Chine n'est pas un pays méditerrané et elle n'est donc pas ratifiée. Donc il y a des solutions qu'on ne peut pas, que d'autres pays peuvent faire, mais que nous ne pouvons pas faire sur notre territoire ou dans nos eaux territoriales. Merci, Madame le Conseiller. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, la donne, comme vous le dites, effectivement a changé. Et le recrutement de cette équipe voulue, liée notamment à la création de ce fonds vert et d'un certain nombre de collaborateurs de haute compétence, va, comme l'a dit le docteur Cucchi, rebattre les cartes. Donc, on nous pose des questions et on ne sait pas très bien quoi répondre. Voilà. Il vaudrait mieux parler du sujet à partir de documents, si vous voulez. Donc, je sais bien. Mais... parce que là, on peut parler pendant des heures. Chacun y va de son argument, oui. Mais donc, attendons, je ne sais pas, la CPE que vous avez organisée pour voir au moins les propositions compte tenu de la donne qui, effectivement, a changé. Mais dont il faut tenir compte en faisant un équilibre aussi sur la nécessité de traiter nos déchets et de chauffer et de refroidir tout le quartier de Fontvieille. Ma question était, la donne ayant changé, est-ce qu'on a reposé la question, c'est tout. Monsieur Robillon. Au niveau de la CPE, on vous soumettra le cahier des charges et vous verrez que toutes les conditions... toutes les différentes possibilités auront été évoquées et que notamment le côté environnemental est bien sûr très bien traité dans cet appel d'offres. Merci, monsieur Robillon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Thierry Poyer d'avoir lancé ce débat. Je voulais faire rapidement une mise au point. Je crois qu'il y a un point essentiel, je dirais. C'est la position récente de notre souverain, le chef de l'État, qui a dit que peut-être... l'incinération n'était pas la solution sur Monaco. Donc je pense que ça permet de débloquer pas mal de possibilités. Je crois que le deuxième argument, c'est les gaz à effet de serre. Jean-Michel Cucchi en a déjà parlé. Et je pense qu'on va aller vers la production de moins de gaz à effet de serre. Donc je pense que l'incinération, à mon avis, n'est pas la meilleure solution, raison de plus. La convention de Bâle, à chaque fois, c'est la tarte à la crème. On me sort la convention de Bâle depuis maintenant à peu près 5 ans. J'objecterai la seule chose, c'est qu'en France, ils ont des moyens de traiter leurs ordures et je ne vois pas pourquoi on importe des déchets à partir de la France. Donc si la convention de Bâle est une convention semi-perméable qui permet dans un sens de transporter les ordures, mais pas dans l'autre sens, je ne l'avais pas lu comme ça exactement. Ensuite, si on continue notre politique de déchets, de traitement des déchets, donc on va réduire, et avec le recyclage, on va réduire le nombre de déchets. Donc non pas, on ne va pas réduire l'importation des déchets dans l'avenir pour faire tourner, même si on n'a que deux fours, on va augmenter l'importation des déchets des communes limitrophes pour faire tourner les deux fours. Les autres techniques, moi je suis pour, depuis longtemps, on en avait parlé depuis très longtemps, et moi je n'enlèverai pas la possibilité de traiter ailleurs les déchets. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur non plus de chercher quelque chose plus loin. Donc moi je ne suis pas d'accord du tout avec ce postulat disant « il faut le faire ». Obligatoirement in situ. Donc les gestions ailleurs, ça peut se faire, on peut discuter avec Roque Brune Cap Martin qui avait des idées pour faire un parc de gestion des déchets. Peut-être vous allez nous annoncer des nouvelles puisque vous avez le sourire qui commence à poindre. Mais vous avez aussi la Turbie, la Cruella.
Si on ne s'en sert pas pour faire un parking, la Cruella, on peut très bien essayer de faire quelque chose là-dessus. Les voyages en camion ne sont pas si importants. Vous en avez quelques-uns de plus qui traversent à Monaco, parce que prendre les déchets d'un quartier de Monaco, les amener à la SMA, je ne suis pas sûr que si on fait le calcul SMA ou Monaco, et si on les monte à la Turbie sur la Cruella, ce n'est pas le sort. Je crois qu'il y a aussi, et pour répondre aux interrogations de mes collègues, il y a des accords, par exemple, sur la livraison d'électricité. On est prioritaire par rapport à la livraison d'électricité. On a eu l'exemple, il y a maintenant 4 ou 5 ans, je ne sais plus, où il y a eu une grande coupure d'électricité dans les Alpes-Maritimes. Monaco a été servi par priorité. Donc je pense qu'on peut aussi très bien négocier avec l'État voisin. Donc je crois que c'est important de ne pas se fermer des portes. Je suis très content d'ailleurs que vous ayez changé votre manière de voir les choses et d'ouvrir à la concurrence ou à d'autres techniques. Ça, je pense que c'était la chose fondamentale à avoir. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, je le pense véritablement, et je pense qu'on n'a pas de souveraineté à défendre de ce côté-là. L'eau, non, monsieur le ministre, l'eau, elle vient d'où ? L'électricité, elle vient d'où ? La nourriture, elle vient d'où ? Je veux dire, on a des partenariats avec le pays voisin. Je ne vois pas pourquoi on s'enferme dans une négociation à intramuros et on ne réfléchit pas à ailleurs. Parce que, monsieur Robillon, la sensibilité vis-à-vis des déchets n'est pas la même que vis-à-vis de l'eau ou que vis-à-vis de l'électricité. L'électricité, on est en partenariat. Nous produisons nous-mêmes de l'électricité dans la vallée, dans les hautes vallées de l'arrière-pays. Monsieur Robillon, je vous le dis, il est complètement irresponsable de penser que les autres vont prendre nos déchets. Personne n'en voudra de nos déchets. Bon, personne n'en veut et c'est contraire aux conventions internationales. Donc cessez de faire croire qu'il y a une autre solution possible. Nos déchets, nous les traitons parce que ce sont les nôtres. Nous les traitons chez nous. Vous ne prenez pas les déchets de la France, vous ne faites pas tourner vos fours à Monaco. On peut les faire. Dans l'hypothèse où on ne prendrait pas les déchets de l'Est du département des Alpes-Maritimes, on configurerait l'usine à Monaco pour fonctionner sans ces déchets. Vous ne pouvez pas descendre à moins de 2 fours de brûlage, donc vous êtes obligé de brûler du bois ou du mazout. Je ne savais pas que vous étiez très calé dans la question. Vous avez fait ça s'appelle la rudologie. La rudologie. C'est une spécialité. Le traitement des déchets, ça s'appelle la rudologie. On est des rudologues en espoir. Je suis très content parce que j'ai appris un mot ce soir. Marc, on apprend tous les jours. Monsieur Boisson. Moi, je fais partie, depuis 10 ans, vous pouvez trouver cela sur un site d'un mouvement politique auquel j'appartiens, qui défendant, par le principe de la souveraineté, mais pour toutes les raisons que vous avez rappelées, que ça doit se faire en principauté. Par contre, il y a un sérieux problème, parce que des membres ici de l'hémicycle continuent à être convaincus que c'est possible. Alors, on n'a pas les mêmes sources. Moi, je suis convaincu qu'il faut rester in situ. Alors, je pense, je reviens souvent à l'argument que parle de la minorité, un argument tout à fait respectable de dire, attention, qu'on ne mette pas une usine qui porte préjudice à l'école voisine. Vous avez parfaitement raison. Mais je pense vraiment, supposons que les élus ici soient un petit peu irresponsables, mais en tout cas, je pense que ni le gouvernement, ni le souverain se permettra d'installer une usine qui puisse intoxiquer les élèves à côté. Enfin, écoutez. Enfin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, Madame le conseiller, vous nous avez annoncé depuis 2 ans, vous l'avez rappelé ce soir clairement, que vous ouvrez à toute forme de technique. C'est vrai que les premiers documents que nous avons reçus ont parlé d'usine incinération. Vous ne parlez plus de ça, vous parlez d'usine de traitement de déchets. Et c'est ouvert à toutes les technologies. Donc, on ne peut que vous inviter à chaque mandat, à chaque réunion, de rechercher la technique qui puisse éviter la pollution. Est-ce que ça existe une pollution zéro ? Je doute, mais qu'il y ait le moins de toxicité possible. Voilà. Après, je vous dis une idée qui peut passer par la tête, qui peut peut-être bouleverser, certes, beaucoup de choses. Est-ce que peut-être il ne serait pas opportun de trouver un autre emplacement ? Est-ce que totalement à l'est de Monaco ? Mais à ce moment-là, évidemment, à l'ouest de Monaco, mais à ce moment-là, évidemment, ça remet en question tout le projet Pasteur. Mais néanmoins, est-ce que peut-être ne serait pas la solution qu'elle soit complètement décalée, sachant que derrière il y a une falaise, et utiliser les projets qui étaient en bas.
c'est une idée à réfléchir. Ça rassurerait peut-être un certain nombre de personnes. Il est vrai que là où se trouve actuellement l'usine, nous voyons pour l'instant quelques émissions. Selon les professionnels et les techniciens, ce sont évidemment des émissions de vapeur et les normes, les mises en place des moyens techniques pour répondre aux normes ont permis d'éviter la dioxyde, etc. Mais c'est vrai que les choses évoluent très vite. C'est une préoccupation pour tout le monde, mais on comprend très bien la vôtre. Monsieur Boéry, pardon, je ne sais pas si vous voulez continuer. Si Madame le conseiller, je vous en prie. Juste pour dire, pour l'histoire de... Je vous remercie de ce que vous avez dit, et puis c'est difficile de la délocaliser, ce que je vous rappelle quand même qu'elle fait fonctionner tout le chaud et froid du quartier de Fontvieille. Voilà, c'était juste ça. Absolument. Monsieur Boéry. Oui, merci. Je vais dire une banalité, mais des banalités, parfois, ça fait avancer. Le monde change. Et entre peu de temps, ce qui nous importe, nous, sur les déchets, comment les traiter, la région voisine a exactement les mêmes. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous traitons les stocks, nous avons des déchets, et donc nous essayons de les traiter le mieux possible, avec le moins de dégâts possible. Si nous traitons les flux à la place des stocks, à terme, ça veut dire qu'on doit viser zéro déchet. Zéro déchet chez nous, la région voisine a exactement, à terme, les mêmes problèmes que nous, zéro déchet chez elle. Ça existe aujourd'hui. À San Francisco, c'est nouveau. On recommence maintenant à traiter l'ensemble des déchets, à les régénérer. Et à ce moment-là, on n'a plus ces problèmes de pollution que nous pouvions avoir aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faudrait mener en même temps les deux, parce qu'on a un problème de court terme peut-être, mais en même temps se poser la question, parce qu'on dit, si on ne prend plus Cap-Martin, on ne va pas rentabiliser notre usine. Et il faut quand même deux fours. Mais si nous faisons des efforts pour plus avoir de déchets, nous, alors là, l'usine va s'arrêter toute seule. Je crois qu'on a vraiment des objectifs communs avec la région voisine, et je crois que l'accord de Bâle, qui est une contrainte, on pourrait peut-être envisager de le faire évoluer en parallèle au travail qu'on fait à court terme. Merci, M. Boéry. M. Alavena. Oui, je vais sans doute redire ici ou là des choses qui ont été dites, soit par Thierry Poirier, soit par Jean-François Robillon ou par d'autres. Mais si on pose et repose la question sans fin, en gros, depuis qu'on a été élu, puisqu'on a eu, je crois, 2 CPE, on a eu 5 ou 6 séances budgétaires, et à chaque fois, on y a passé un moment, je pense que c'est simplement parce que la réponse n'est pas claire, elle n'est pas complète ou elle n'est pas totalement convaincante. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, ce que vous avez dit mérite dialogue, mérite débat, mais pour moi, ça ne règle pas la question, parce que point par point, on peut contrecarrer ou on peut débattre de ce que vous nous avez dit. Oui, sur la Convention de Bâle, il y a des cas de symétrie, il y a des cas de dérogation, donc pourquoi ne pas y penser si on trouve qu'il y a un intérêt ? Sur les norias de camions, oui, pourquoi pas, mais combien ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'ombre d'un chiffre, et est-ce qu'on fait le comparatif avec le CO2 qui est émis chez nous ? Quand vous dites « personne ne veut de nos déchets », j'aimerais en être sûr. Aujourd'hui, la gestion des déchets, ça n'est plus une question honteuse, c'est un business. Voilà. La région voisine, Daniel Boéry, vient de le dire, est en train de réfléchir à des outils de traitement des déchets. Je pense que... je n'ai pas de parti pris là-dessus. Je veux dire simplement, je n'ai aucun parti pris. Je veux simplement, et c'est mon esprit quelque part cartésien et ma formation d'ingénieur, qui dit que j'aimerais avoir un bilan global, sérieux, et pas des préjugés. Ce sont des choses que nous évoquons. On a eu des CPE qui ont présenté des éléments partiels. On n'a jamais fait de bilan global de la situation. Vous parlez d'autonomie, Jean-François Robillon a répondu. Moi, je conteste assez violemment le fait qu'il soit moins grave de manquer d'eau pendant 3 jours que d'avoir des déchets dans la rue pendant 3 jours. Enfin, on ne l'a jamais vécu. Je passe sur un sujet beaucoup plus léger. Je veux dire, on voit le souk que c'est quand on n'a pas d'Internet pendant 2 heures ou pas de téléphone pendant 2 heures. Et pourtant, c'est potentiellement beaucoup moins grave. Voilà. Donc, toutes ces questions-là, pour moi, doivent être traitées dans le cadre d'un bilan global. Je suis prêt à souscrire à l'idée
que l'usine doit rester ici, ça ne me pose pas de problème philosophique majeur. J'aimerais vraiment être convaincu un jour, à partir du moment où on s'engage pour 50 ans, que c'est la vraie bonne décision et le choix, et pas seulement par des arguments marginaux. Donc, j'aimerais que dans les prochaines CPE qu'on doit programmer, on arrive à obtenir ce bilan global, ou alors, Monsieur le Président, je vous demanderai que le Conseil national mandate son propre expert pour avoir un avis sur le sujet qui soit indépendant et qui soit complet, et qu'on puisse, le jour où on sera amené à voter sur ce sujet-là, avoir vraiment les éléments. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas satisfait, même si l'échange existe, hein, je veux dire, mais on n'a que des bouts. Voilà. Monsieur le ministre. Je redis qu'il ne faut pas confondre les deux sujets. L'expert que le Conseil national pourrait prendre et pourra prendre s'il le souhaite, c'est sur la technique. Sur la localisation de l'usine, c'est la responsabilité du gouvernement de ne pas prendre de risques pour la souveraineté de la principauté, et précisément, comme vous venez de le dire, à 50 ans. Qui, aujourd'hui, peut assurer que dans 50 ans, la France voudra de nos déchets ? Alors que j'ai à votre disposition la lettre de refus du préfet, la lettre de refus de M. Estrosi, la lettre de refus de plusieurs maires de la région. Qui va prendre la responsabilité ? En tout cas, moi, je ne la prendrai pas, M. Lavena. C'est clair, je n'engagerai pas la principauté dans une voie sans issue est beaucoup trop risquée pour sa souveraineté nationale. Monsieur le ministre, excusez-moi simplement. Ce premier sujet est clos. Excusez-moi, on peut en parler, mais il est clos. Excusez-moi, deux secondes de débat. Nous savons qu'il y a des courriers qui commencent à dater un petit peu, simplement. Est-ce que c'est les bons interlocuteurs qui ont répondu ? C'est une autre question. Mais ça, c'est une chose. Sur l'autonomie, je comprends que c'est du domaine exclusif du gouvernement. Je voudrais simplement que l'on assume ensemble qu'on n'a pas d'autonomie sur l'eau, pas d'autonomie sur les télécoms, pas d'autonomie sur l'électricité et pas d'autonomie sur l'essentiel de nos approvisionnements. Pourquoi est-ce que la gestion des déchets devrait être le seul domaine sur lequel on s'arc-boute sur une autonomie ? Mais c'est une question, je veux dire, qui est la vôtre. Monsieur Lavena, j'ai à votre disposition les courriers, y compris ceux avec le cabinet du président de la République, pour trouver un endroit qui veuille bien accepter les résidus de la combustion dans notre usine. Personne n'en veut. Personne n'en veut. La Cruella, c'est comme les carrières. La Cruella, tout le monde dit la Cruella, on va faire un parking de dissuasion, c'est formidable. Mais en réalité, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas trouvé d'endroit pour faire une autre carrière, parce que personne ne veut de carrière. Donc, ne rêvons pas. Et ne faisons pas croire aux Monégasques qu'une solution à l'extérieur des frontières est possible. Ce n'est pas honnête intellectuellement de le soutenir. Bien. Ça, en tous les cas, la réponse du gouvernement a le mérite d'être claire. Et la réponse du ministre ce soir a le mérite d'être claire. Il faut connaître ce qui est. Madame Rouguignon-Vernin, c'est à vous. Je m'excuse, monsieur le ministre, mais là, je viens de vous entendre parler de refus des résidus de combustion par la France. Je me demandais, parce que c'est vrai que par rapport à l'époque où vous aviez demandé ça, bon, il y a du temps qui a passé, donc j'insiste toujours un petit peu, hein, mais je me demandais si on n'entre pas dans une époque où maintenant on valorise vraiment les déchets, et si les déchets, mais avant combustion, donc si dans la mesure où ils sont avant combustion, ils ne pourraient pas être intéressants pour certains pays, enfin pour certains. Je dis certains pays, pourquoi ? Parce qu'on a la France d'un côté et on a aussi l'Italie de l'autre. Peut-être qu'on pourrait trouver une solution aussi et de sécuriser si l'un avait un souci, enfin de signer deux contrats avec les deux pays de façon à sécuriser. Voilà. Bien. Monsieur Grinda, et après, mes chers collègues, je vais clore ce débat pour pouvoir avancer. Je vous ai noté, monsieur Grinda. Et monsieur. Voilà. Monsieur Grinda, bon. Je vous en prie. On ne remerciera jamais assez Thierry Poyer d'avoir lancé si tôt dans la soirée au débotté. Absolument. Hein ? Franchement, Président, je crois qu'on partage ça ce soir. On partage, merci. Et je suis même proactif sur le sujet. Très bien, merci, vraiment, merci Thierry. Mais non, mais je pense que c'est important, bien sûr. Blague à part, c'est important, chers collègues, on n'est pas toujours d'accord, moins qu'on puisse dire, mais c'est important parce qu'il y a eu une espèce de comment dirais-je, de mélange d'arguments, de contre-arguments, de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, de localisation, de techniques de traitement des déchets, et que nos compatriotes qui nous écoutent, qui nous posent des questions,
et ce n'est pas de leur faute, ont fait un amalgame. Et je crois que ce soir, l'avantage, j'espère, de ce débat, c'est qu'il a eu pour conséquence une certaine clarification sur ce sujet. Voilà. Et donc, c'est l'objectif d'avoir passé quelques minutes, mais qui me paraissait salutaire. Je vous en prie. Merci, Président. Beaucoup de choses à dire en trois minutes. La première, c'est que je ne suis pas... la Convention de Bâle, comme l'a dit M. Robillon, il faut qu'elle existe dans les deux sens. Je ne refais pas le débat là-dessus. Vous savez que je pense que je n'ai pas forcément tort. La deuxième chose, c'est que vous avez cité, je fais pêle-mêle, les mâches fer dont personne ne veut, mâches fer, résidus de la combustion. Donc pourquoi continuer à faire de la combustion si on ne sait pas quoi faire de nos mâches fer? Ça, c'est encore un vaste débat, mais nous y reviendrons sans doute. Troisièmement, ce n'était pas, monsieur Boisson, ce n'est pas une question de minorité, de majorité, une question politique, on est bien d'accord là-dessus. C'est une question de vision et de responsabilité, c'est tout. Et je redis mon propos liminaire de tout à l'heure, je ne pense pas un instant que le gouvernement n'ait pas en point de mire l'intérêt général. Mais il se peut que sur un sujet comme celui-ci, nous ayons un point de vue différent. Enfin, certains ici aient un point de vue différent, il faut quand même l'accepter. Bien. Ceci étant dit, tout a été quand même réglé, me semble-t-il, par la feuille de route dressée par le souverain, qui prévoit à un certain terme 50% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et avoir un bilan carbone zéro dans 50 ans. Vous m'arrêtez si je me trompe. Avec cette feuille de route, il me semble impensable de repartir dans une usine d'incinération. Ce n'est qu'un avis. Monsieur le ministre d'État, je vais finir parce que j'ai que 3 minutes, moi. Donc, et décomptez-moi les 5 secondes, là, tiens. Donc, voilà, donc, pour moi, c'est réglé. Maintenant, Madame Gramaglia, excusez-moi, Monsieur le Président, vous portez la responsabilité de tous ces échanges. Pas vous, Président, vous avez organisé une CPE là-dessus. Mais la présentation du cabinet Merlin a été désastreuse. Le ministre d'État n'était pas là. Mais certains d'entre nous en rient encore. Je vous rappelle la piste de ski avec la petite boule de suie noire qui passe 2 fois par jour pour pas gêner les skieurs. Mais c'était écrit dans le dossier que vous nous avez remis. Ah si, ah, oui. Si, c'était écrit dans le dossier. Non, non, là je ne ris plus du tout, c'était écrit dedans. Donc cette présentation était grotesque. Et elle surtout, Madame Gramaglia, elle n'ouvrait absolument aucune autre solution que l'incinération. Tout le monde l'a dit ici. Aucune, parce que, évidemment, on peut toujours dire qu'on va faire un appel à d'autres technologies, mais si vous, dans l'appel d'offres, vous restreignez dans le temps, à 3 mois, comme vous l'avez fait, la durée des travaux, vous savez pertinemment qu'on ne pourra rien faire d'autre que ce qu'on y fait déjà. Donc là, je pense que vous devez réviser peut-être les paramètres de votre appel d'offres. C'est un sujet extrêmement sensible, le président Nouvion l'a très bien expliqué, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'interrogations, on peut faire rire, on peut alarmer les gens. Moi, il y a une feuille de route qui était établie par le souverain et je ne crois pas qu'on puisse autre chose que de s'y conformer. Et notre ordre de marche, c'est ceci. Merci, monsieur Léna. Pardon, je vous en prie. Oui, juste une précision quand même pour répondre. Non, je vous en prie. Le cabinet Merlin qui était venu, et je vous prends quand même tous à témoin, j'ai eu plein de compliments de la personne qui est venue, qui était très compétente. Alors, c'était une petite parenthèse dans la présentation, ce dont vous me parlez. Je pense qu'elle a répondu, et pendant séance, et hors séance, puisqu'après, il y a plein de personnes qui sont venues lui poser des questions, sur toutes les techniques envisageables. Elle était au courant de toutes les techniques. Vous ne l'avez pu la coller à aucun moment. Elle était hyper performante et vraiment très, très compétente. Voilà, je voulais quand même faire ça. Après, l'histoire des 3 mois, c'est 6 mois, on avait décrété qu'on pouvait fermer maximum l'usine, le fonctionnement de l'usine pendant 6 mois. 6 mois, c'était les 6 mois qui correspondaient au temps où la France pouvait prendre une partie on exportait nos déchets pendant 6 mois maximum, lorsque ces fours ne sont pas pleins en période hivernale. Bien, monsieur Grinda, ok. Si, tiens, pour le plaisir. Quand même, vous ne pouvez pas, madame Gramaglia, dire que la personne du cabinet, le monsieur du cabinet Berlin, qui est certainement un grand technicien, je ne prétends pas l'être, mais ce monsieur était venu pour nous vendre l'incinération. Rien d'autre. Alors ne me dites pas que, ne vous dites pas aujourd'hui, et avec toute l'estime et le respect que j'ai pour vous, j'aimerais que la réciproque soit vraie, ne me dites pas qu'il est venu nous parler d'autre chose. Il a répondu
de façon pointue comme un technicien, un type hyper performant dans son domaine, peut botter en touche sur l'un ou l'autre domaine. Je crois que le sujet, maintenant, on en a beaucoup parlé, le président a bien raison de vouloir clore le sujet pour ce soir, bah, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que le souverain a dressé une feuille de route et nous devrons bien nous y conformer et nous attendons du gouvernement, l'exécutif, qui justement nous dit qu'il est seul décisionnaire de l'endroit. C'est de votre responsabilité, monsieur le ministre d'État, vous l'avez dit. Vous avez décidé que l'endroit du traitement des déchets, traitement, c'était là et nulle part ailleurs. C'est votre responsabilité. Ça, j'en conviens tout à fait. On peut ne pas être d'accord, mais c'est votre responsabilité. Par contre, c'est notre responsabilité à nous de nous battre pour nos convictions. Oui, mais je suis d'accord que la localisation, c'est de la responsabilité de l'exécutif. Et je ne prendrai pas la responsabilité, le gouvernement ne prendra pas la responsabilité d'exposer Monaco à un risque de non-traitement de ses déchets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la discussion est ouverte sur la meilleure manière de traiter les déchets. Oui, ça, et évidemment, on doit intégrer l'objectif fixé par le souverain. Et ai-je besoin de dire que c'est un sujet que le souverain va regarder avec attention ? C'est évident. Monsieur Elena et après Monsieur Boisson. Merci, Monsieur le Président. Et après, le sujet est clos. Et clos. Merci. Moi, du moins, je ne veux pas rallumer la flamme, mais sur le traité de Bâle, en réalité, c'est ce que je voudrais bien qu'on nous définisse la définition de traiter nos déchets. Parce que, comme vous dites, moi, j'habite Fontvieille, régulièrement, je vois des semi-remorques qui enlèvent des gros sacs de résidus qui sont certainement au fond des fours. Et donc, je ne pense pas que ça reste à Monaco. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on sache jusqu'où on peut aller. Après, c'est une idée, donc je lance, je pense pas qu'il faut se limiter à la France et à l'Italie. Je sais qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait eu une étude pour transvaser en bateau et aller, je crois que c'était sur l'Algérie, le projet. Peut-être qu'il faudra peut-être réouvrir la piste. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Elena, vous voyez bien quand même la problématique. Les déchets, on n'en veut pas, on les donne aux autres. Et comme on ne peut pas les mettre en France, en Italie, on les met dans les pays sous-développés. C'est quand même une présentation, si vous voulez, qu'on ne peut pas assumer. Moi, je ne veux pas assumer d'envoyer les déchets de Monaco en Algérie. Je regrette. Non. C'est un exemple probant, effectivement. Ça met tout le monde d'accord. Monsieur Boisson, et on finit. Vraiment, vraiment, M. Grenda, j'ai vraiment pas envie de polémiquer, croyez-moi. Et puis, en plus, le fondement de vos idées, elles sont tout à fait, vraiment, je le sais, sincères et fondées. Mais vous ne pouvez pas dire, et je précise, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, vous ne pouvez pas dire que le cabinet qui a été présenté n'a pas fait une étude générale. Ça, ce n'est pas possible, parce que vous pouvez raconter ce que vous voulez entre nous à la commission d'environnement, mais là, il y a des téléspectateurs qui écoutent. Il y a des gens... Eh bien, écoutez, si vous voulez, je vais dans mon bureau, je vais chercher les deux documents que nous a remis le gouvernement. Dans le premier document, il était particulièrement orienté vers l'incinérateur, c'est vrai. Nous l'avions dénoncé, nous en avions parlé en commission d'environnement au présidé, et nous avions reproché à Madame le conseiller d'orienter cela vers l'incinérateur. Nous avons eu des réunions de travail, le gouvernement a dit qu'il prenait en considération nos demandes, et nous avons eu un deuxième document. Dans le deuxième document, le titre, ce n'est plus usine d'incinération, c'est usine de traitement de déchets. Je n'ai pas la page en tête, mais vous pouvez la retrouver si vous gardez vos documents. Et vous avez dans ce document des tableaux où toutes les techniques sont présentées, toutes, toutes. Et il n'y a pas de parti pris dans ce deuxième document. Il y a juste une technique où il est indiqué qu'elle n'est pas applicable parce qu'il faudrait une superficie de terrain dont nous ne disposons pas. Donc, franchement, de dire que nous n'avons jamais eu ce genre d'informations et que le cabinet ne voulait orienter que vers une technique, eh bien, ce n'est pas vrai. Quand on compare les ordures ménagères avec l'eau et l'électricité, ce n'est pas sérieux non plus. D'abord, déjà, l'eau, on a déjà au moins 20% de possibilité d'être autonome. Et ensuite, si demain c'était dramatique, on a des systèmes de désalinisation, etc. Tandis que les déchets, ce sont... Oui, ça vous fait rigoler, mais c'est vrai. L'électricité, on ne remet pas comme ça. Il y a une différence entre faire sortir des tonnes de déchets chaque jour et remettre en question l'arrivée de l'eau et de l'électricité. Ce n'est pas comparable. Le mâche-fer, oui, c'est vrai, les mâche-fer, on ne peut pas les traiter, ils partent. Mais ce n'est pas parce que nous pouvons sortir une certaine quantité de mâche-fer qu'il faut dire, parce qu'on sort les mâche-fer, alors on doit en sortir tout le reste. Mais je parle de bon sens, M. Roubillon, ça vous fait rigoler.
Je ne comprends pas. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe ailleurs. Les pays voisins, la France, la région, n'arrivent pas à traiter ces déchets. Il a raison, monsieur le ministre. Comment voulez-vous qu'ils prennent les normes? Vous faites ça. Eh bien, moi, je vous fais ça. Voilà. Bien, le sujet est clos. Conformément au règlement intérieur, quand je juge qu'on a été suffisamment informé, donc nous passons au sujet suivant. Nous y avons passé presque 45 minutes. Et bien sûr, le sujet suivant. J'en prie. Allô. Moi. Non, non. Pas Monaco Télécom. Alors, oui, j'ai été saisi d'un problème par certains compatriotes qui n'a pas laissé de m'étonner sur la fourniture d'eau chaude dans les domaniaux. On me dit, mais je ne l'ai pas vérifié, je l'ai fait vérifier depuis, qu'il faut un temps absolument incroyable dans certains immeubles pour obtenir de l'eau chaude. Bon, a priori dit comme ça, ça n'a aucune importance, peut-être. Sauf que chacun paye son eau et que pour avoir de l'eau chaude, il faut parfois utiliser plusieurs minutes un robinet entièrement ouvert. C'est bien sûr le président de la commission de l'environnement qui vous parle. Et j'ai fait un rapide calcul. On arrive à une déperdition, un gaspillage d'eau, monsieur le ministre, de plusieurs millions de mètres cubes par an, et je pense que c'est même plusieurs dizaines de millions de mètres cubes par an. J'ai fait le calcul sur seulement 3 immeubles. Donc, ce qui est fait comme ça, par une raison technologique, je pense, ne peut pas être rectifié dans le quart d'heure qui suit, je le comprends bien. Une seule chose, je souhaiterais que cette donnée, qui a l'air amusante comme ça, mais qui d'abord coûte à chacune des personnes qui payent son eau, bien sûr, et qui en plus, aujourd'hui, comment, dans ce pays Monaco, avec le souverain qui est le nôtre, peut-on dire on gaspille des millions de mètres cubes d'eau? Raisonnablement, ce n'est pas une position défendable. Donc, je vous demande, j'aimerais que vous me rassuriez quant à l'avenir, parce que le passé est le passé. Je ne pense pas que vous puissiez, comme je le disais, arranger les choses, mais dans l'extension en mer, dans les nouveaux bâtiments qui vont être construits, est-ce que vous pouvez nous garantir que ce problème sera pris en compte? Je ne dis pas entièrement résolu, je dis pris en compte. Merci. Merci. Il faudra le prendre en compte, mais je ne sais pas du tout quelle technique permet de remonter de l'eau. Non, mais attendez, là, si on rentre sur un sujet technique, écoutez, franchement, mes chers collègues, le sujet est passionnant. Vous en avez fait état. Je crois que Madame le conseiller a pris ses notes. Elle va regarder ça. Si on commence à partir sur des considérations techniques, certains sont ingénieurs, ont une formation, d'autres ne le sont pas. Il faut aussi avoir un peu de respect sur le débat concernant les recettes, je vous rappelle, et qu'il y a beaucoup de sujets, puisque ce soir, nous nous arrêterons aux recettes. Moi, je n'arrête pas la séance publique tant que nous n'avons pas terminé les recettes. Voilà. Ça ne me dérange pas, je peux rester très tard. Monsieur Poyer. Je voulais évoquer, monsieur le Président, le dossier Monaco Télécom, mais peut-être que si d'autres personnes voulaient intervenir sur l'eau, peut-être terminer ce dossier avant d'attaquer autre chose. Oui, allô ? Allô, ok, allô. Non, ça sera très bref, monsieur le Président, je respecte vos consignes. J'ai noté une augmentation... Non, ce n'est pas des consignes, c'est une demande. Moi, je fais ce que vous voulez, hein, mais... Nullement une critique dans ces propos. Puisque il nous reste une soixantaine de pages, on n'a même pas fait la première. Exactement, voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Absolument, merci. J'ai noté une augmentation de la redevance de près de 10% concernant Monaco Télécom en un an, à peu près un petit peu moins. Monsieur le Président de la Commission des Finances en a cité, vous avez répondu également, monsieur le ministre, là-dessus. On est passé de 5,9 millions au primitif 2015 à 6,4 millions au primitif 2016. Les actions menées par le nouvel actionnaire commencent à se traduire dans les chiffres, à mon avis, et j'espère un résultat semblable dans la satisfaction des clients et dans l'engagement et la motivation des salariés. Ça sera tout. Merci. Oui. Pardon, vous voulez peut-être que monsieur Poyer renouvelle son... Monsieur Poyer, est-ce que vous pouvez juste préciser votre... Parce que madame, vous êtes en train de rechercher... Ah non, je peux vous la refaire si vous voulez, mais ça ne terminait pas par une question. C'était une affirmation. C'était non, parce que vous cherchiez à répondre. On s'est bien compris ? Parfait. Vous avez noté. Merci. Merci. Parfait. Bien. Qui veut intervenir ? Monsieur Boisson, et après nous passons à la SBM. Sur Monaco Télécom. Deuxième exercice de pédagogie. Nous avons reçu dernièrement un document d'information dont nous avions bien besoin parce que nous demandions un certain nombre de choses. Dans les réunions de commission de concession, à d'autres moments, nous nous sommes plaints de la
des petites carences de communication de Monaco Télécom. Ils ont pris en considération nos remarques et ils ont dit qu'ils allaient porter des améliorations. Alors moi, je ne suis pas un commercial de Monaco Télécom. Je ne suis pas là pour parler à leur place. Mais quand on annonce sur la presse qu'à partir de telle date, on appuie sur un bouton et on a 83 chaînes, que tout le monde aura 83 chaînes, il y a un problème. Parce que lorsque les gens allument leur téléviseur, même s'ils savent faire une recherche automatique, ils n'ont pas les 83 chaînes, ils se disent « on ne comprend pas ». Alors, ce qui est dommage, c'est que par rapport à cette information, n'ait pas été assortie une information complémentaire. Depuis, cette information est donnée. Elle est donnée à la boutique, elle est donnée d'ailleurs avec un petit prospectus. Alors, encore une fois, je vais venir avec un outil pédagogique, parce que lorsque vous ne prenez pas les 83 chaînes, c'est qu'à ce moment-là, vous avez un téléviseur qui est avant 2010, et ce qu'il faut que l'on vous dise, c'est qu'il suffit d'un décodeur. Et c'est sérieux. Voilà. À la boutique, vous avez ce décodeur qu'ils vendent à un prix raisonnable et qui vous permet d'avoir les 83 chaînes. Alors, vous savez, ce n'est pas une plaisanterie. Si je dis ça, si je parle de ce décodeur, c'est parce qu'avec cela, vous arrivez, pour ceux qui ont le programme minimum, à avoir toutes les chaînes équivalentes à la TNT. Il y a des chaînes étrangères qui intéressent beaucoup. Et où je veux en venir, c'est la notion d'attractivité. Un petit détail technique que peu savent. Sur la télécommande, vous avez un petit bouton qui s'appelle audio. Ça vous permet d'avoir les 83 chaînes en anglais et pouvoir suivre ce soir cette émission en anglais ou tous les films et les émissions dans d'autres langues et émissions d'information, c'est pas négligeable. Donc je vous recommande le décodeur de Monaco Télécom. Bien, merci. Alors, sur Monaco Télécom, y a-t-il d'autres interventions ? Non, bien, nous passons à la SBM. Monsieur Robineau. Avant que le chrono démarre, juste pour dire que dans les immeubles domaniaux, sur certaines tuyauteries, il y a un réchauffeur électrique pour avoir de l'eau chaude. Bon, la plupart l'ont déconnecté parce que ça consomme beaucoup d'électricité, mais ça existait. Bien, on ne va pas repartir sur le sujet. Bien, donc sur la SBM. Alors, avec une baisse de la redevance sur les jeux de près de 5% sur le budget primitif 2016 par rapport au budget 2015, et ce malgré les mesures qui ont pu être prises, comme l'ouverture des salles H24, on ne peut que constater que la situation des jeux à la SBM ne semble pas vouloir s'améliorer. Si on y ajoute, suite à la mise en place du nouveau statut, dont le coût n'était pas négligeable, la limitation des renouvellements des postes à un départ à la retraite sur deux, la limitation à sa plus simple expression de l'école des jeux, dont l'admission est limitée à la promotion interne, comment peut-on envisager qu'elle continue à assumer dans l'avenir le rôle social qui lui était dévolu ? Cette situation ne peut pas perdurer, il devient urgent de redresser la situation, faute de quoi nous devrons faire face à une situation sans précédent pour un des fleurons de la principauté. Il faut tout faire pour reconquérir la clientèle des jeux, ne pas négliger les agents des joueurs, ne pas mégoter sur les conditions d'accueil des joueurs, se donner les moyens de les accueillir en réservant des chambres à leur intention. Et surtout, je me demande si la réduction de l'école des jeux est la bonne solution. Il est peut-être temps d'écouter les employés des jeux. Ils ont sûrement des suggestions pertinentes à partager, fruit de leur expérience passée. Et je souhaite attirer l'attention de la nouvelle direction sur ces pistes de travail. Espérons que tout cela amènera à une très grande amélioration de la situation. Merci. Merci. Oui, Monsieur Cucchi, sur ce même sujet. Merci, Monsieur le Président. Je relisais l'autre jour un rapport que j'avais fait dans une autre mandature à la place de Monsieur Burini, où je parlais de la SBM, et je me disais que finalement, j'aurais pu le recycler en disant la même chose. Il n'y a rien à changer. Donc certes, aujourd'hui, on a vu quand même deux grandes modifications. Une, c'est une magnifique école des jeux de 10 personnes. C'est toujours mieux que rien, me direz-vous, Monsieur le Président, en effet. L'autre est la nomination d'un compatriote dont tout le monde reconnaît les qualités de management à la tête du secteur des jeux avec une nouvelle redistribution. Alors, normalement, l'expérience aurait dû me servir de leçon et je devrais vous dire que je vais voter contre cette ligne, puisque ce n'est pas la première fois qu'on nous présente des recettes miracles et que ça n'a jamais marché. Mais j'ai l'impression que ce coup-ci, quand même,
il y a peut-être un petit espoir que ça se passe mieux et que tout ce qui a été promis puisse en partie être tenu. Et en tous les cas, comme c'est également les objectifs fixés par le souverain qui les a nettement précisés en ce qui concerne la nécessité d'avoir un secteur des jeux plus dynamique et qui revienne à l'équilibre, je pense qu'il faut avoir une certaine positivité. Et donc, je m'abstiendrai de voter contre. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Oui, effectivement, nous sommes, le Conseil national est satisfait de façon mesurée que cette anomalie sur un étranger à la direction générale des jeux ait été réparée et qu'il y ait un compatriote nommé à la tête de ce secteur essentiel, secteur clé. Il y a des difficultés, la société en traverse, y compris sur le plan financier. Il a pris ses fonctions, je crois, le 1er décembre dernier, il y a donc 6 jours. Et donc, nous lui souhaitons bonne chance dans sa mission, ce qui n'est pas simple. Et on sait bien que nos compatriotes dans les jeux ne sont pas non plus des tendres, qui connaissent aussi ce sujet, et que donc, j'espère qu'il pourra asseoir son autorité. Il a une vision, il a un plan, et c'est en tous les cas ce que nous pouvons lui souhaiter de mieux. Quant à la majorité... Et ce Conseil national, je le redis une fois de plus, n'est jamais intervenu nommément depuis 3 ans, depuis que nous sommes là en responsabilité, et n'a pas fait de politique politicienne au sein des Jeux. Et je tiens à le rappeler ce soir. Voilà. Monsieur Boisson. Le Président, je voudrais seulement rappeler que lors de la dernière commission tripartite SBM, l'ASBM nous a annoncé qu'ils avaient décidé, pour prendre en considération notre demande, parce que sur le plan de la conjoncture économique, ils auraient plutôt préféré ne faire aucune école, de faire une école de 8. Nous avons discuté pendant un bon moment pour considérer que c'était peu, même si on comprenait leurs problèmes financiers, mais nous, on voyait d'abord l'intérêt des jeunes monégasques qui attendent pour travailler l'ASBM. Et aujourd'hui, nous avons appris que ça va être une école de jeux de 10. C'est peut-être pas grand-chose de plus. Mais c'est 2 têtes de plus de sauver pour l'avenir. Je pense quand même que c'est quand même appréciable que l'SBM fait un petit effort et ait tenu compte de notre demande. Merci. Oui, Madame Fresco. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne peux laisser clore ce chapitre sans demander de nouveau au gouvernement d'être vigilant à la priorité pour la priorité nationale dans toutes les sociétés à monopole concédé et toutes les sociétés dépendant directement et indirectement du budget de l'État. Merci beaucoup. Nous sommes, la majorité, effectivement, s'associe à votre demande. C'est vraiment une priorité pour le gouvernement. Nous l'avons rappelé à chacune de ces sociétés par lettre, et nous faisons un suivi très proche, hein, et votre délégué à la priorité nationale est en contact permanent avec Robert Kohl et dénonce tout ce qui peut être violation de cette règle. Soyez persuadé que le gouvernement partage avec vous cette priorité, parce que c'est l'intérêt du pays, tout simplement. Merci beaucoup. Et en plus, c'est un principe constitutionnel. Monsieur Elena. Oui. Je vais revenir sur la priorité nationale, parce que la priorité nationale, ce n'est pas seulement pour le monégasque, c'est aussi pour les sociétés monégasques. Bien sûr. J'ai été contacté récemment par une association, que je ne citerai pas parce que je pense qu'il faut vraiment ouvrir voir grand. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que toutes les sociétés qui bénéficient de monopoles concédés, comme l'ASBM, toutes, puissent non seulement faire travailler les monégasques, mais essayer de trouver un équilibre pour qu'il y ait vraiment une répartition équilibrée, un peu comme on fait pour les travaux où il y a vraiment un quota. Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'excès, ça peut nuire, il faut que tout le monde puisse travailler. Voilà. Après, je reviendrai quand même, parce que bon, je vais revenir sur la nomination de monégasque. Effectivement, moi je suis très, très satisfait. Je pense que le schéma mis en place, pour moi, c'est le meilleur qu'il puisse y avoir. Je crois qu'il y a 3 directeurs monégasques. Chacun, maintenant, comme on dit vulgairement, ils ont le vélo, il va falloir qu'ils pédalent. Mais je ne voterai quand même pas cette ligne, parce que, sérieusement, je pense que 10 à l'école de jeu, c'est vraiment trop peu.
Surtout, comme je l'ai expliqué en tripartite, le système de « on en replace un sur deux », ça a un peu, et le statut unique, a un peu boosté le départ à la retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas eu ça, ben, on aurait peut-être fait une école de 6. Pour moi, je trouve que sérieusement, c'est pas sérieux. Je pense qu'une école, c'est minimum 20. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas d'école. Il y a plein de monégasques qui tapent à la porte. Et c'est pour ça que je ne voterai pas cette ligne. Merci, monsieur Elena. Mais s'il faut en demander une dans un an, on en demandera une dans un an. Et je mettrai. Oui, non, enfin. Non, on l'a demandé il y a 2 ans. Pas en 2013. Vous, probablement, mais. Monsieur Grindin. Je ne vais pas apprendre le discours de tout le monde sur la SBM. Je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises. Je voudrais quand même, parce que j'essaie d'être le plus honnête possible, me réjouir comme tout le monde de la nomination d'un monégasque. J'aimerais rappeler, et dans mon rôle de minoritaire, je crois que c'est encore peut-être plus intéressant ou plus fort que c'est vrai que, président Nouvian, vous aviez vous-même, dès le début, appelé la nomination d'un monégasque. Donc, vous voyez, donc ça, c'est à votre crédit. Aujourd'hui, d'ailleurs, les faits vous ont donné raison. Quant au reste, eh bien, moi, je constate quand même que on ne peut pas demander à une société de rapporter davantage d'argent à l'État et de dépenser davantage d'argent pour des postes dont elle n'a peut-être pas besoin. Alors, on peut toujours discuter, et M. Elena est certainement plus compétent que moi, et d'autres ici sans doute, pour savoir le nombre de croupiers, d'employés de jeu, pardon, dont on peut avoir besoin, mais on ne peut pas dire qu'il faut engager du monde alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Le reprocherait-on à l'État s'il faisait ça ? Mais bien sûr. Le reprocherait-on dans une autre société ? Évidemment. Pourquoi là, tout d'un coup, on devrait engager 10, 20, 30 personnes dont on n'a pas vraiment besoin ? Ceci est une façon dépassée de vouloir gérer l'entreprise. Monsieur Léna, je comprends qu'on ne soit pas d'accord. Il me reste 1,35. Ce soir, je suis particulièrement chronophage. Non, donc voilà, moi, tout ce que je peux dire sur la SBM, c'est que ça, c'était le premier point. De la satisfaction totale, bien sûr, d'avoir un compatriote directeur des Jeux. L'organisation, je ne doute pas qu'elle soit bonne et je lui souhaite le plein succès. Je constate que la feuille de route qui avait été tracée par le prince en ce qui concerne la SBM, c'est-à-dire le statut unique des Jeux, on y est arrivé. L'ouverture du capital, on y est arrivé. Les locations de toutes les boutiques, on y est arrivé. Et que sais-je encore, je crois que toutes les cases ont été cochées positivement, avec des difficultés à certains endroits, sans doute. Mais elles ont quand même été cochées. Je ne dis pas que le poids politique, vous voyez, que vous-même, président, avez pu y mettre, ou la majorité à certains endroits, n'a pas joué. Et je le reconnais bien volontiers. Mais aujourd'hui, regardons les choses de façon positive. Tout ceci a été accompli. Le plus dur reste à accomplir, car c'est maintenant que ça va être difficile, certainement, parce que là, nous n'avons pas de rentrée, l'hôtel de Paris est fermé, les nouveaux bâtiments ne sont pas encore construits, les rentrées d'argent n'existent pas encore. Mais ne demandons pas de grâce une gestion saine avec des propositions qui vont à l'encontre totalement de tout ce qu'on demanderait d'une gestion saine d'une autre société, même s'il s'agit d'un monopole concédé. Merci, Monsieur Cucchi. Merci, Monsieur le Président. À écouter mon collègue Grenda, je pensais qu'à la SBM, tout allait bien. Heureusement. Certes, certains points ont été réussis, avec, on va dire, dans la douleur, mais malgré tout, M. Grenda, dois-je vous rappeler le plan jeu que nenni, la relance des jeux que nenni, le marketing que nenni, quant au reste, justement, M. Grenda, je pense que vous êtes un peu optimiste. Attendons de voir ce qui va se passer pendant cette période de travaux et compagnie, pour voir si la société réussira en effet à continuer à fonctionner avec une certaine rentabilité lui permettant de ne pas devoir faire un nouvel appel à capital, et si finalement, in fine, l'opération réussira. Parce que pour l'instant, on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que ça a pris du retard. Et que si ça a pris du retard, ça risque de coûter plus cher. Donc je ne suis pas du tout aussi optimiste que vous, même si je le voudrais. Même si je le voudrais. Donc, gardons-nous d'un optimisme trop flagrant. Je pense que malheureusement, cette société est en effet dans une situation délicate. En effet, vous avez raison. Mais pourquoi, bien qu'elle soit dans une situation délicate, il faut tout de même ne pas oublier une chose, c'est que c'est une société qui a un rôle social et que ce rôle social, il est quelque part le pendant du fait
qu'elle bénéficie d'un monopole des jeux sur notre territoire contre un reversement qui est, par rapport à la moyenne mondiale des reversements des casinos, vraiment faiblissime. Voilà, il faut quand même dire les choses. D'un côté, elle a l'avantage de ça. On ne parle pas de la partie hôtellerie, on parle de la partie casino. Si elle n'avait pas le monopole des jeux, je serais tout à fait d'accord avec vous, monsieur Grandin. Le problème, c'est qu'elle bénéficie contre une redevance, qu'on baisse encore d'ailleurs, et qui est déjà nettement moins élevée que la redevance moyenne des casinos dans les autres pays. Contre une redevance fort raisonnable, elle bénéficie d'un monopole qui est quand même un énorme avantage. C'est une société, depuis 1870, à vocation sociale. Et j'attends qu'il y ait quelqu'un qui remette en cause le côté social de l'ASBM. En tous les cas, ça ne sera pas nous. Voilà, monsieur Boisson. Oui, je comprends et je partage un peu, monsieur Grinda, votre philosophie, c'est-à-dire, si je peux traduire vos pensées, Marie-Thie, je me trompe tout à l'heure, qu'on n'a pas à faire de démagogie, ce n'est pas parce que nous sommes des élus que nous devons demander des écoles de jeu, si elles ne sont pas justifiées, ça coûte de l'argent. Mais à ce jour, on entend des informations contradictoires. D'un côté, nous avons une administration SBM qui nous dit, écoutez, on a des difficultés financières, il n'y a pas besoin de prendre des croupiers en plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Et de l'autre côté, on entend des personnes de terrain qui témoignent, qui nous disent que, par exemple, cet été, des tables n'ont pas pu être ouvertes parce qu'il manquait du personnel. Vous voyez ? Alors, nous, on doit faire avec ces informations, on n'est pas là pour les vérifier. C'est pour ça que moi, j'ai grand espoir dans cette nouvelle démarche. Un nouveau directeur qui fédère de nouveaux directeurs. Cette équipe doit pouvoir, au niveau de l'ASBM, et après, en relais au gouvernement, auprès de nous, s'il le faut, et on les défendra, nous apporter les éléments pragmatiques, nous démontrer s'il faut du personnel ou pas. Et s'il le faut, de différentes manières. Est-ce que c'est parce qu'il y a des départs à la retraite, parce qu'il y a aujourd'hui des manques pour ouvrir des tables, ou aussi par rapport aux nouvelles perspectives, puisqu'il y a aussi les jeux chinois peut-être qui vont se développer. Donc voilà. Moi-même, je suis un peu gêné parce que j'ai envie de défendre. Je défends le côté social et je dis, après tout, ça coûte un petit peu l'SBM, mais on a besoin d'insertion pour nos jeunes monégasques, il faut faire une école. De l'autre côté, je réfléchis aussi en tant que gestionnaire en me disant, on ne peut pas demander s'il n'y a pas besoin. Alors, moi, je ne sais plus s'il y a besoin ou pas besoin. On me dit que oui. Attendons que nos nouveaux directeurs démontrent le besoin et qu'ils le démontrent concrètement, avec des éléments. Ils parleront entre professionnels en disant, on s'est trouvé en plein été, on n'a pas pu ouvrir des tables de craps, on ne pouvait pas ouvrir des tables de blackjack, il nous manquait du personnel à tel endroit. Et à ce moment-là, eh bien, ils pourront démontrer les besoins et là, nous serons le relais pour taper sur la table pour pouvoir demander une école. Et je sais que nous le ferons, n'est-ce pas, monsieur le Président ? Absolument. Oui, monsieur Grinda. Allez-y, monsieur Léna, parce qu'entre vous... Je vous remercie. Moi, je veux rassurer monsieur Grinda. Je veux dire, mon objectif, c'est loin de moi de vouloir nuire à l'ASBM. Aujourd'hui, je pense que l'ASBM est partie dans la gestion des jeux avec une politique depuis quelques années, 7-8 ans, où elle s'est pratiquement limité au niveau de l'exploitation. Ça a été premièrement fermeture du Café de Paris, on a enlevé les tables, on a laissé des machines, après on a fermé le Sporting d'été. Je veux dire, c'est quand même une aberration, je crois qu'on en a parlé à la tripartite, il y a 60 000 personnes qui descendent au Sporting d'été, il n'y a pas de table autour. Je veux dire, aujourd'hui, il faut repenser, et j'ai rencontré le nouveau directeur, M. Camilla, il est tout à fait dans cet état d'esprit, c'est ce qui me rassure. Donc, moi, je ne souhaite pas qu'on embauche des personnes pour ne rien faire. Ce que je veux, c'est qu'on les embauche pour les rendre exploite, du moins qu'on les exploite pour qu'ils soient rentables. Et on a sérieusement, sans revenir à trop ce que dit Claude, on a sérieusement une offre à offrir aux clients sur tout l'été qu'on n'y arrive pas. Effectivement, cet été, il y a eu une volonté, du moins, ce n'est pas qu'on ne voulait pas, mais c'est qu'on a figé. Deuxièmement, sur cette gestion du personnel, le statut unique va démontrer rapidement ses limites. Aujourd'hui, on est rentré dans un système de 4-2 avec une exploitation au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être plus clair, pour que tout le monde comprenne, un lundi au mois de novembre, il y aura autant d'employés qu'un samedi au mois d'août. Je veux dire, c'est là où je pense qu'on est complètement hors sujet. Donc j'en ai encore parlé à M. Camilla aujourd'hui. Effectivement, il m'a dit c'est vrai que c'est un peu absurde.
Ce que je souhaite aussi, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est le rôle du moyen. C'est vraiment, on a besoin de réussir. Monsieur Camilla, on a besoin vraiment de la réussite. Le souverain a tiré, je pense, une sonnette d'alarme. Aujourd'hui, on ne doit pas, on n'a aucune obligation, c'est réussir. Donc moi, je souhaite vraiment que ça soit à Monsieur Camilla, aux trois directeurs, tout le succès. Et en tout cas, ils auront toujours mon soutien. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur Léna. Monsieur Grindin. Oui, bon, écoutez, je suis tout à fait d'accord, et je l'ai déjà dit en tripartite, pour dire que ne pas ouvrir des tables au Sporting d'été me paraissait être quelque chose d'assez aberrant. On nous a répondu, d'une certaine façon, que ça coûtait plus cher de les ouvrir, rappelez-vous, que de laisser fermer. C'est ce qui nous a été répondu. Bien, je ne reviens pas là-dessus. Non, mais moi, je n'ai pas la compétence, d'abord, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, vous non plus, mais bref. Moi, je vous dis tout simplement... Et président, vous avez haussé la voix, et c'est votre rôle, en disant « ce ne serait pas celui qui remettra en cause le rôle social de l'SBM ». Vous l'avez fait en tonnant un petit peu, ce que je vous en rends hommage, que j'aime bien ça. Mais néanmoins, on ne peut pas demander, je vous le redis, tout est son contraire. On ne peut plus demander, et on ne peut plus, cher docteur Cucchi, excusez-moi de vous interrompre, mais on ne peut plus... Pensez à la gestion de l'ASBM au XXIe siècle comme on le faisait au XXe siècle. Le monde a changé, c'est un fait. Tout s'est accéléré. Vous le savez beaucoup mieux que moi dans votre domaine. Et je peux vous garantir que partir avec ce type d'idée-là, c'est vraiment aller de bonne foi, je n'en doute pas un seul instant, mais partir avec des idées d'avant-hier. Même pas d'hier, des idées d'avant-hier. Moi, je ne suis le porte-parole de personne. J'ai une liberté total pour intervenir, je l'ai fait, ce n'est sans doute pas très populaire, mais je me suis senti obligé de le faire ce soir dans ces termes-là. Merci. Merci, M. Grindin. M. Pasquier. Monsieur le Président, je voulais revenir sur ce qu'a dit M. Cucchi, parce que je crois qu'il a posé le problème dans les termes qui sont corrects. D'un côté, la SBM a un rôle social à jouer, et ça, je crois que personne dans cette Assemblée, ni du côté du gouvernement, le conteste. De l'autre côté, pour contrebalancer ce rôle social, on lui a donné une redevance qui est plus faible que celle des autres casinos dans le monde. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre et à savoir et à appréhender et à mesurer, c'est dans quelle mesure cette réduction de la redevance compense les coûts plus élevés qu'a la SBM à cause de son rôle social. Je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas si M. Cucchi a raison ou pas, ou on a trop baissé la redevance, ou, etc. Ce que je sais, en tout cas, c'est que quand on regarde la structure de coûts de la SBM, les coûts de personnel sont énormes, représentent une partie fondamentale de son compte d'exploitation. Et donc, il est possible, sans que je puisse le dire, c'est que les coûts additionnels de la SBM par rapport à sa compétition, dû au fait qu'elle est à Monaco et qu'elle a un rôle social, compense plus peut-être la diminution de la redevance. J'en sais rien. Je crois que ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Il faut regarder le compte d'exploitation de la SBM, le comparer avec celle de ses concurrents et regarder dans quel sens cette redevance plus faible compense l'excès de coût du personnel. Bon, de toute manière, quelle que soit la réponse à cette question, je crois que M. Elena a raison. Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à remplir les casinos. Parce que si on n'arrive pas à les casinos, on peut créer toutes les écoles de vœux qu'on veut, on n'arrivera pas à mettre ces gens au travail. Et ça, de nouveau, je n'en sais rien. Je ne sais pas si les casinos à Las Vegas marchent ou à Macao marchent. Leur donner du travail, pas les mettre au travail. Leur donner du travail. Non. Moi, je dis les mettre au travail. C'est ça la différence entre vous et moi. Moi, je les mets au travail. Parce qu'il faut qu'ils travaillent. On ne leur donne pas un travail. Ce n'est pas une obole qu'on leur donne. On leur donne une opportunité de développer leur vie professionnelle comme ils ont le droit de le faire. On ne leur donne rien du tout. On leur donne une opportunité de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Donc, il me reste 41 secondes. Et ce que je voulais vous dire, donc, maintenant, c'est que M. Elena, je le rejoins totalement, si vous voulez. Il faut qu'on arrive à remplir les salles, parce que si on ne remplit pas les salles, il n'y aura pas de travail pour les employés de jeu monégasques. Voilà. Merci. Monsieur Cucchi, si vous permettez, monsieur Alavena, et après je vous donne la parole. Merci, monsieur le Président. Je suis content quand même que
mon collègue Pasquier reconnaisse que la SBM a un rôle social et doit le maintenir. J'ai eu peur. Non, rien. Je voudrais quand même rappeler que la société a perdu 35 millions l'année dernière, qu'elle est prévue qu'elle en perde au moins 50 l'année prochaine, donc quand on se félicite de sa gestion, voilà, bon, chacun a ses repères. Non, attendez. En effet, la vraie question, c'est il faut remplir les casinos. Mais moi, quand même, malgré tout, la question que je me pose, et ça ne date pas d'hier, c'est il y a des gens qui sont engagés pour ça, qui devaient faire des plans, qui devaient obtenir des résultats. Ils ne les ont pas eus. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est, et je souhaite en effet, et c'est mon souhait le plus cher, et je partage là-dessus le point de vue de M. Hénard, qui est, espérons que la nouvelle équipe réussira ce que les anciens n'ont pas réussi. Mais le but, avant tout, c'est bien de redynamiser les casinos. Et ce n'est pas d'espérer faire fonctionner un système qui sinon, est perdu d'avance, hein, en se disant, on va compenser un peu en faisant autre chose que notre métier, qui est de louer des boutiques, de faire de la promotion immobilière en compagnie. Non, parce que s'il y a ça, le rôle social de la SBM, on ne pourra pas le maintenir. Donc l'essentiel, et je le maintiens, le reste, je le développer très volontiers, mais l'essentiel, et c'est pour ça que je me suis élevé contre la gestion de la SBM jusqu'à présent, l'essentiel n'a pas été fait, l'essentiel, c'est le développement des jeux. Et si ça n'est pas réussi, rien n'est réussi. Monsieur Alavena. Oui, enfin, un peu décousu, parce que j'ai l'impression que dès qu'on commence à parler de la SBM, on peut être d'accord avec tout le monde ou on peut être en opposition avec tout le monde. Et la discussion dans cet hémicycle ce soir le montre encore. C'est un sujet, c'est une société qui sont pleines de contradictions dans tous les sens. Et quel que soit le bout par lequel on approche le problème, on arrive un peu à montrer ça, parce que bon, je souscris volontiers à la demande que vous avez faite de l'école des jeux par rapport à l'emploi et l'offre qu'on doit faire aux jeunes monégasques, mais vous avez aussi demandé une orthodoxie financière ou une bonne gestion de la SBM, il y a une forme d'opposition, et les deux sujets sont vrais. On parle du rôle social, mais est-ce que c'est avec ou sans les abus du rôle social? On évoquait les charges salariales trop élevées, on évoquait les situations devenues abusives. Je crois qu'on était d'accord à la commission mixte sur le côté un peu anormal de ce qui se passe au Café de Paris, par exemple, tous. Donc, toutes ces contradictions, voilà. On évoquait les clients, oui, bien sûr, mais on n'a pas encore tranché sur un sujet. C'est est-ce que ne pas trouver de clients aujourd'hui, est-ce que c'est une incompétence des hommes de marketing et de commercial local, ou est-ce que c'est, comme l'a évoqué un certain nombre de fois le président de la SBM, une vraie crise mondiale du secteur des jeux à laquelle qu'on subit, comme d'autres l'ont subi ou la subissent à côté de nous. Donc, beaucoup de choses. Je pense qu'on peut en parler toute la nuit et que nos successeurs en parleront encore pendant 50 ans, parce que cette société sera toujours là dans 50 ans. On espère. Monsieur Crovetto. Oui, juste quelques remarques au sujet de SBM. Donc, effectivement, plusieurs d'entre nous l'ont rappelé, le faible niveau de redevance a bien une contrepartie sociale pour SBM. Et si les écoles de jeu sont moins fréquentes et moins importantes, c'est sans doute l'échec du fameux plan jeu. Puisqu'en effet, on ne peut pas avoir des écoles de jeu si l'activité jeu n'est pas dynamique. Je suis satisfait, bien évidemment, de la nomination de notre compatriote à la direction des jeux. Je lui souhaite d'ailleurs bonne chance. Ça va être compliqué parce que les 5 années de travaux pour l'activité jeu, ce n'est pas forcément favorable. Et puis, une petite remarque, puisqu'on a parlé pas mal de la diversification de l'économie de Monaco. Et le petit paradoxe, c'est que l'activité la plus dynamique et rentable de SBM, ça reste l'immobilier, là aussi. Eh oui. Madame Amorati-Blanc. Je vous remercie. Je rejoins mes collègues concernant le respect de la priorité nationale au sein du casino. Et je félicite à cette occasion le nouveau directeur des Jeux, ainsi que les deux nouveaux directeurs des deux casinos pour leur nomination. Mais il ne faudra toutefois pas oublier de faire respecter cette même priorité nationale au niveau de l'hôtellerie de la SBM, et donc de ne pas oublier tous les monégasques qui ont été formés dans des prestigieuses écoles hôtelières. Voilà, je vous remercie.
Vous avez tout à fait raison, on parle toujours de nos compatriotes dans les Jeux, et il y a de plus en plus de compatriotes dans l'hôtellerie. Et il ne faut pas les oublier. C'est un peu la revanche, puisque, entre guillemets, un de nos compatriotes maintenant est à la tête des Jeux, alors qu'il est passé par l'hôtellerie. Mais c'est vrai que familialement, il connaissait bien le métier de par les fonctions de son père. Monsieur Poyer. Merci, monsieur le Président. C'est avec un certain plaisir tout à l'heure que j'ai lancé le débat sur la SMA et vous m'avez tous remercié. Pour autant, vous voyez, je ne participe pas au débat sur la SBM et vous savez pourquoi. Et donc, je m'abstiendrai sur le vote de cette partie-là pour l'inscription de la ligne sur la SBM. Je comprends bien. Merci. Madame Lavagna. Merci, monsieur le Président. Je reviens toujours sur le même sujet s'agissant de la SBM, mais ne faudrait-il pas trouver un équilibre entre le rôle social et le principe de réalité économique qui fait que le secteur des Jeux a sûrement, pendant un temps, donné un emploi important au Monégasque, mais il y a peut-être aussi d'autres secteurs qui, de nos jours, peuvent être plus porteurs d'emploi, la restauration, la gestion, les aspects juridiques. Pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas plus ces secteurs aussi pour les Monégasques, plutôt que de les cantonner seulement au secteur des Jeux, s'il se trouve qu'actuellement, il n'est pas spécialement porteur? C'est aussi à la direction d'ouvrir un certain nombre de ces services, marketing et autres, à des compatriotes compétents. C'est à double, ça fonctionne à deux. Monsieur Boisson et après Monsieur Grinda. Oui, je voudrais faire une petite suite à ce que disait Madame Moratti-Blanc. Et vous livrer une petite anecdote. Vous venez de parler du parcours de M. Pascal Camilla. Mais moi, j'ai connu le début de son parcours. J'ai vu cet homme effondré, déçu, lorsqu'il est rentré en principauté de Monaco, et lorsque personne ne voulait de lui, lorsque des Français, des étrangers étaient embauchés et qu'ils ne pouvaient pas accéder à des postes à la SBM. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. C'est vrai. Je l'ai vu la larme à l'œil. Je l'ai vu pendant des mois dire « c'est pas juste, on ne me donne pas du travail, pourtant je suis compétent ». Et puis il est rentré, il a fait ses preuves. Les choses ont changé. Donc c'est vrai, il faut continuer à préserver la priorité nationale dans l'hôtellerie. Mais le message, c'est de dire aussi à des jeunes monégasques qui vont entrer par les petites portes, de prendre cet exemple, de garder l'espoir. Parce que peut-être un jour aussi, ils seront directeurs, à condition de travailler dur et d'être compétent. Vous avez raison, travailler dur. Monsieur Grandin. Eh bien, pour une fois, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire M. Boisson. Ah ben, vous voyez. C'est... Et la séance est close. Voilà. C'est grâce à la valeur travail. Exactement. Voilà. Grâce à la valeur travail. La paix et l'harmonie. Tout à fait. Non, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur le problème des jeunes. L'école des Jeux, vous dites, on a un rôle social, M. Kiki le disait. Mais oui, mais le rôle social n'est pas uniquement en direction des Jeux. Et d'ailleurs, l'ouverture du capital devrait permettre à la direction de l'SBM de former, de pouvoir proposer aux jeunes monégasques de se former à d'autres métiers dans d'autres pays. C'est ce que nous devrions au moins essayer de proposer, ou ce que la société devrait proposer. Ce n'est pas irréaliste, me semble-t-il. Ça me semble déjà important. D'un autre côté, pour en revenir aux Jeux, M. Crovetto l'a très bien dit, je vais le paraphraser, il dit « mais les Jeux, aujourd'hui, ne sont plus la manne financière numéro un de la SBM. La SBM doit sa rentabilité et sa survie à l'immobilier. Et l'immobilier... » Aux machines à sous aussi. Aux machines à sous, mais moins, monsieur le Président, vous le savez bien, moins. Ah non, les machines à sous ramènent beaucoup, des dizaines de millions d'euros nets par an. D'accord, moins que l'immobilier va représenter... Moins ce que représentera l'immobilier dans quelques années. Écoutez, je veux bien, on verra, mais tel que c'est prévu, enfin, c'est un, comme ça. Un des trois pieds, en tous les cas. Voilà. D'accord. Alors, je vais essayer de poursuivre mon raisonnement. Pardon. Donc, non, pas du tout. Mais, l'immobilier a pris le pas sur les Jeux. Deux, ça s'est acté de façon définitive quand on a accepté, quand on a décidé la destruction du Sporting d'hiver pour le transformer en ce que nous savons aujourd'hui. C'est une révolution totale. Ne refaisons pas la bataille du passé, mais tous ceux qui étaient d'accord avec, à ce moment-là, pour arriver à ce qu'on nous propose aujourd'hui, implicitement acceptaient que les Jeux passent en numéro 2. Il n'y avait pas de jeu au Sporting d'hiver. Non, mais attendez, c'était une opération créatrice de valeur, ça n'a pas de rapport.
plus les hôtels seront pleins, plus il y a d'activité, et plus l'activité jeu va se développer également. Plus les hôtels sont pleins, la place du casino, une fois terminée, remise en état et ayant retrouvé son lustre, je ne sais pas quel élu tout à l'heure le disait, je crois que c'est le docteur Cucchi, en disant que ça va être très compliqué de relancer, c'est tout le challenge d'ailleurs de la nouvelle direction, de relancer l'activité jeu, secteur clé, alors que l'hôtel de Paris est à moitié fermé, il n'y a que 40 chambres, et que la place du casino est éventrée. Voilà, c'est tout. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, c'est tout. Tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, la destruction du Sporting d'hiver a été présentée comme la solution avec un L majuscule et un S majuscule pour sauver la SBM. Je ne me trompe pas. C'est un des trois pieds. Hôtellerie, jeu et revenu foncier. Monsieur Cucchi. J'espère vraiment, mais j'espère, monsieur Grenda, que vous avez tort. Parce que si la SBM compte s'en tirer en se transformant en une usine de promotion immobilière et de location de boutiques, en effet, elle aura du mal à maintenir son rôle social. Maintenant, quand vous dites que les casinos sont moins rentables, c'est vrai, mais si on ne continuait pas à les prendre pour la vache à lait de la société en leur surfacturant systématiquement tout, ils seraient peut-être plus rentables aussi. Donc si on devait faire tous les calculs, monsieur Pasquier, il faudrait également intégrer ceci. Donc, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça et que, en effet, que la société veuille développer autre chose que le secteur des jeux, dont on sait qu'il est peut-être, il risque d'être un peu irrégulier et dont la relance va être, on l'a vu malheureusement, plus difficile que prévu, et que quelque part elle développe d'autres moyens de générer des profits, c'est pas un mal. Mais la société ne pourra pas fonctionner si elle, à moins de se transformer complètement, si c'est pour devenir loueuse d'appartements et d'appart-hôtels et de boutiques, je ne vois plus trop à quoi elle va servir pour le pays, et je me demande même dans ces conditions en quoi l'État devrait continuer à en être l'actionnaire majoritaire. Donc je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus, et j'espère en tous les cas que ce n'est pas vers là que la société s'oriente, parce qu'en plus, voilà, ça j'en suis totalement persuadé, si elle compte s'en tirer comme ça, elle se cassera la figure. Parce qu'on ne peut pas maintenir une société avec le braquet qu'elle a en espérant qu'un des trois pieds suffise à maintenir son équilibre. Et elle aura vraiment besoin des trois. Bien, merci. Ceci clôt donc le débat. Je vais mettre le chapitre. Je voudrais peut-être, monsieur le conseiller, dire un mot rapide simplement pour, au nom du gouvernement, saluer aussi l'arrivée de Pascal Camilla à la direction générale des Jeux. C'est effectivement un très grand professionnel. Il l'a montré dans les différentes fonctions qu'il a pu remplir au sein de la société et plus particulièrement en tant que directeur de l'hôtel Hermitage ces dernières années. Nous saluons également le travail qui a été réalisé en commun et qui a été évoqué notamment par M. Boisson lors de la dernière commission tripartite, également les échanges que le gouvernement peut avoir et a régulièrement, bien évidemment, avec la direction de la générale de la SBM pour porter l'école de jeu donc à ce chiffre de 10, bon, qui n'était pas le chiffre initialement envisagé par la société. Une fois encore, il est ce qu'il est, mais on a travaillé ensemble pour essayer d'optimiser ce résultat. Saluer également l'arrivée de nouveaux membres au sein du conseil d'administration lors de la rencontre qui suit les conseils où le gouvernement a l'occasion de rencontrer les membres du conseil d'administration. On a pu avoir quelques échanges d'ores et déjà avec, d'un côté, M. Bazir, de l'autre côté, M. Meka, qui représente le groupe Galaxy. Et effectivement, ce qu'on a évoqué, les opportunités que l'étranger représentera demain, la possibilité pour des monégasques de se former, de travailler, de montrer leur savoir-faire dans le cadre de ces accords internationaux qui ont vu l'entrée au capital de nouveaux acteurs, eh bien, ont été initié lors de cette première réunion. Voilà, enfin, je n'avais pas grand-chose à dire d'autre à ce stade de la soirée, à part véritablement
vous assurer de tout l'intérêt que nous portons, bien évidemment, au dossier, mais surtout du soutien que nous ne manquerons pas d'apporter à la nouvelle direction des Jeux et l'organisation qui s'est mise en place. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller. Je mets donc ce chapitre premier aux voix. Monsieur, j'aurais quand même juste une question, peut-être, désolé, mais c'est la dernière ligne. Comme on parle beaucoup de COP21, développement durable, et les recettes passent de 9 millions à 1 million. Alors peut-être que je n'ai mal lu les documents, mais j'aimerais peut-être savoir qu'il en est. Ça a été expliqué dans le programme gouvernemental d'action. Oui, Madame Vatrican. Il s'agit du reversement du fonds énergie développement durable sur les recettes de l'État et qui correspondent aux équipements qui mettent en œuvre des énergies renouvelables dans le cadre des travaux notamment. Parfait. Donc je mets ce chapitre premier aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Monsieur Elena, y a-t-il des abstentions ? Monsieur Crovetto, Monsieur Barilaro, Monsieur Poyer, Monsieur Cucchi, Monsieur Alavena, Monsieur Robineau, Monsieur Svara et Madame Amorati Blanc. Qui vote pour ? Excusez-moi pour le procès-verbal. Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Boéry, Madame Rossi, Madame Fresco, Madame Rougagnon-Vernin, Monsieur Burini, Monsieur Stenner, Monsieur Ritt, Madame Lavagna, Monsieur Boisson, Monsieur Ficini et moi-même. Nous passons donc au chapitre suivant. Chapitre 2, produits et recettes des services administratifs, 32 633 400 euros. Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre 2 aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Ce chapitre 2 est adopté. Chapitre 3, contribution, 878 672 000 euros. Y a-t-il des interventions sur ce chapitre 3 et sur ces 5 sous-parties ? Monsieur Crovetto. Merci, Monsieur le Président. Je voulais intervenir notamment sur la TVA, mais plus globalement, en fait, pour l'économie du pays. Donc on peut bien entendu se féliciter de la hausse continue de la TVA qui représente plus de la moitié des recettes de l'État. Mais comme je rappelais plus en amont dans la séance, la plus grande partie de la croissance de la TVA provient de la TVA immobilière et avec les livraisons à venir, cela va se poursuivre. Il faut diversifier notre économie, donc nos recettes, attirer de nouvelles entreprises, leur donner envie de s'installer, de rester sur la principauté. Et donc l'État doit donner l'impulsion. Il faut se donner les moyens d'attirer les entreprises innovantes en principauté. Et il faut par exemple rendre possible, d'un point de vue alors, logistique, administratif et peut-être juridique, la création de pépinières d'entreprises, publiques ou privées. Et également, on en avait parlé en CPE, de créer des mesures incitatives pour l'installation de ces entreprises innovantes. Et également communiquer sur les mesures existantes pour la création de ces nouvelles entreprises innovantes. On pense notamment, mais pas seulement, au crédit impôt recherche. On a vu une étude en France, notamment sur les retombées du crédit impôt recherche. Ça a des impacts assez positifs et ça serait dommage que la principauté ne soit pas plus attractive que d'autres pays. Peut-être merci, sur monsieur. La question de la TVA, je vais laisser M. Dinkel s'exprimer, mais je ne suis pas sûr que l'essentiel de la croissance soit due à la TVA immobilière, mais plutôt à la bonne tenue de l'économie monégasque dans son ensemble, et donc davantage de la TVA liée à la consommation. Mais peut-être que M. Dinkel peut... Excusez-moi, quand je parlais de la TVA immobilière, c'était également du secteur, parce qu'on avait vu qu'un tiers en fait, des retombées proviennent directement des secteurs immobiliers. C'était à ça que je faisais référence. Oui, Monsieur le directeur des services fiscaux, je vous en prie. Je rebondis un peu sur ce que vient de dire M. Gastellini. Je crois qu'il faut relever et souligner que la TVA interne constitue, je dirais, une recette qui progresse de manière sensible.
Je crois qu'il faut sans doute relever que la TVA immobilière constitue une part importante de la TVA recouvrée, bien entendu, au plan global. Mais la progression la plus forte en proportion reste la TVA interne. Et je crois que c'est sans doute ça qu'il faut relever et retenir. À un moment donné de la soirée, ça a d'ailleurs été rappelé, le compte de partage TVA baisse d'année en année. Et je dirais, certains l'ont dit d'ailleurs, et c'est très juste, c'est très bien. Ça montre que la principauté de Monaco n'a pas besoin du pays voisin pour améliorer je dirais, sa composante de recettes et de moins en moins dépendante d'une certaine manière des flux externes que peut procurer naturellement le compte de partage. Ce qui conduit à maintenir la thèse selon laquelle la TVA interne pèse de plus en plus sur les rentrées budgétaires à Monaco, et n'oubliez pas, la TVA, c'est quand même plus de 60% des recettes de l'État. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter, il faut espérer surtout que cela continue. La TVA immobilière reste une source importante. On a des programmes en cours qui doivent normalement générer encore de belles recettes fiscales en matière de TVA sur les ventes d'immeubles ou d'appartements neufs. Il ne faut que s'en féliciter. L'année 2016 devrait être une bonne année encore, parce que nous avons des programmes qui sont en train de se réaliser, et toute la TVA qui était déductible, celle de la TVA d'amont, comme je le dis souvent, elle est épongée. Maintenant, on est dans de la recette nette. Donc, ne nous faisons pas peur. Je crois qu'il est peut-être sain de regarder ça assez positivement. Ce qu'il faut espérer, et là aussi, vous l'avez dit, il faut espérer que les difficultés que connaissent les pays voisins ne donnent pas, par capillarité, des difficultés au niveau de la principauté, qui pour l'instant en est totalement étrangère. Donc, pensons à faire des prières à Sainte Dévote, et pourvu que ça dure. Merci. Je voulais peut-être compléter, sinon, oui, par rapport à la deuxième partie de l'intervention de Thierry Crovetto, pour vous dire, que la réflexion du gouvernement, et plus particulièrement la mienne, a avancé de manière assez significative sur ces sujets qu'on pourrait distinguer les pépinières et donc le développement de nouvelles activités, de nouvelles entreprises au stade de l'incubation. J'ai réfléchi également à un projet qui interviendrait un petit peu plus tard, donc dans ce qu'on appellerait plutôt le stade de l'accélération. L'un et l'autre étant complémentaires, les deux n'étant pas mutuellement exclusifs. L'entreprise Monaco Télécom est intéressée et impliquée, notamment au niveau de l'incubation. J'ai eu, peut-être c'était effectivement, oui, Sainte Dévote par anticipation, mais une forme de révélation lorsque j'ai assisté et que j'ai remis le prix du gouvernement au dernier concours de création d'entreprise de la jeune chambre économique. Je vais rencontrer d'ailleurs dans 3 jours la lauréate de l'édition 2015, mademoiselle Jade Aureglia. La révélation, c'est quoi? C'est qu'on a ici des jeunes entrepreneurs fabuleux. Un certain nombre sont nominés chaque année. Quelques-uns d'entre eux et quelques-unes d'entre elles sont primés chaque année, au moins 2, prix de la jeune chambre et prix du gouvernement. Et j'ai demandé à ce qu'au sein de mon département, on me fasse un peu un état des lieux de tous ceux qui ont été distingués, de ceux qui ont gagné, ceux qui auraient mérité de gagner, ceux qui sont aujourd'hui en activité mais qui pourraient peut-être bénéficier d'un soutien pouvant prendre plusieurs formes, notamment des locaux.
notamment, et c'est aussi là où Monaco Télécom peut nous aider avec une activité de mentoring, parce que ça a été dit le soir de la remise des prix de la Jeune Chambre économique, que souvent ces jeunes gens, ce dont ils ont besoin, c'est d'un accompagnement. L'argent, c'est bien, les locaux, c'est indispensable, mais parfois on est seul, parfois dans ces premières étapes de la vie d'une entreprise, on commet des erreurs, où on ne sait pas, on a besoin de se tourner vers quelqu'un. Donc je me retrouve aujourd'hui avec un certain nombre de réflexions, de possibilités, et je vais demander à ce que quelqu'un au sein du département, si vous voulez, soit plus spécifiquement chargé de ces questions et gère ces questions de création d'entreprise, d'incubation, d'accélération, comme un véritable projet, si vous voulez, un projet industriel, donc pourra faire l'objet également éventuellement de réflexions au sein de l'Observatoire de l'industrie, par exemple, hein, vu que ça cadre assez bien. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face, ça suscite également un certain nombre d'interrogations. Alors, je ne vais pas toutes les lister ce soir, mais c'est vrai que... est-ce qu'on pourra mettre tout le monde dans des locaux domaniaux ? Bon, tout le monde ne qualifie pas forcément. Est-ce qu'il faudra réfléchir à ce moment-là à des exemptions ? On se dira, eh bien, les locaux sont mis à la disposition de jeunes entrepreneurs qui sont, par exemple, comme ceux primés par la Jeune Chambre économique, monégasques pour certains, peut-être enfants du pays pour d'autres, mais comment utiliser un local domanial pour une pépinière d'entreprise ? Dans le cas des pépinières que l'on trouve dans d'autres pays, l'accès aux locaux est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon, il faudra peut-être que les locaux ou les immeubles où ces activités sont exercées le permettent. Il y aura la question de la partition des locaux, de choses aussi, si vous voulez, basiques, que même l'accès à des sanitaires, l'accès à éventuellement une cuisine, tout ce qu'on demande à une entreprise de mettre en œuvre et que l'inspection du travail requiert, là on se trouverait avec 5, 6, 10 entreprises ou entrepreneurs. Il faudra réfléchir aussi, est-ce qu'il faudra qu'il y ait une forme sociale, personne morale, ou ça peut être juste la personne physique dans un bureau avec un ordinateur, un téléphone. Voilà, ça suscite un certain nombre d'interrogations. C'est aussi pour ça que j'ai voulu d'abord réfléchir avant de dire, voilà, on va faire, on va les mettre ici. On a plein de possibilités. Ça nous interpelle sur un certain nombre de questions qui sont trans-département, notamment la sécurité et tout ce qui est lié donc à l'inspection du travail. C'est pour ça que je voudrais que, véritablement, quelqu'un au sein de mon équipe gère ça comme on gérerait un projet d'entreprise. Et là, tous ceux, et je vous remercie, vous en particulier, je remercie également Thierry Poyer, bien évidemment, tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, qui m'ont accompagné dans cette réflexion, qui vont continuer à accompagner la réflexion, qui m'ont présenté des gens de qualité, et parfois justement aussi des entrepreneurs. Voilà, c'est un bon exemple, je pense, d'une coopération intelligente qui peut déboucher sur quelque chose de très concret, très bon pour l'image de la principauté. Demain, peut-être également, générateur d'emplois, générateur de recettes fiscales. Ça, conseiller de gouvernement pour les finances ne peut pas perdre de vue cet objectif. Mais avant tout, il en va de la diversification du tissu économique et industriel monégasque et surtout d'un positionnement de la principauté en tant que terre d'accueil ou de développement, de nutrition et d'incubation de ces jeunes entrepreneurs qui peut-être seront justement les porte-drapeaux du Monaco de demain aux côtés de certaines industries ou activités qu'on a pu évoquer plus tôt dans la soirée. Merci. Bien, merci beaucoup. Oui, monsieur Crovetto, je vous en prie. Non, je voulais simplement remercier monsieur le conseiller pour sa réponse très complète qui me satisfait pleinement. Et effectivement, j'estime que c'est justement quand tout va bien, comme je disais en liminaire, qu'il faut prévoir l'avenir. Alors c'est très bien de savoir qu'il y a de la TVA immobilière, qu'il y a des programmes, que tout va bien. Et comme je faisais le parallèle avec la société Nokia dans les années 2000, vous le savez, c'est justement à ce moment-là qu'il vaut mieux prévoir le coup d'après. Je vous remercie. Merci, monsieur Alavena. Oui, tout à fait dans le même esprit. Je veux dire, moi, je voulais féliciter le conseiller de ses propos, l'encourager évidemment à poursuivre, à approfondir, à accélérer. Je veux dire, c'est vrai, oui, il n'y a pas que les locaux, il n'y a pas que les business angels ou l'assistance financière, il y a le support
il y a l'accompagnement, et je dois dire que je désespérais d'entendre un jour ces propos de la part du gouvernement monégasque, et je suis ravi que ce soir, aussi tard, on y ait droit. Merci. Madame Rougagnon-Vernin. Dans la continuité, en fait, je vous remercie vraiment de nous avoir fait part de vos révélations qui sont extrêmement encourageantes pour notre futur et je m'en réjouis vraiment. J'étais moi-même présente à cette soirée de remise des trophées et c'est vrai que j'ai vraiment passé une bonne soirée parce qu'on est habitué ici à recevoir les personnes qui viennent se plaindre parce que ça ne va pas, parce qu'elles ont un problème dans leur entreprise, parce qu'on voit une actualité qui n'est pas toujours des plus gaies. Et là, on a vu que des entreprises dynamiques, très entrepreneuriales, qui réussissaient, qui se réjouissaient d'être à Monaco, qui ont vanté les bons côtés d'être à Monaco, dont vous faites partie, la proximité avec les autorités. Et c'était vraiment très encourageant, quoi. Vraiment, c'était une bouffée d'optimisme. Et on a vu beaucoup, il y avait une multitude d'entreprises qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, celles qui fonctionnent le mieux, ce sont les plus discrètes, quoi. Et voilà, donc je me réjouis de vos propos et de tous vos projets pour notre. Mais, écoutez, et je merci. Vous présente mes excuses, Madame Fresco m'en voudra sans doute d'avoir oublié de vous saluer à l'instar de ce que j'ai fait pour vos deux collègues masculins, mais je voulais également saluer votre implication dans toutes ces réflexions, votre participation bien évidemment à l'Observatoire de l'Industrie et souligner. Que la prochaine réunion de l'Observatoire se tiendra jeudi de cette semaine et à cette occasion, jeudi 11, sauf erreur de ma part, puisque c'est ma collègue Marie-Pierre Gramalia qui interviendra, donc il est important que nous soyons d'accord sur la date, puisqu'elle précisera les contours de l'îlot Charles III. Et notamment, justement, on a évoqué tout à l'heure la question de locaux industriels, de locaux à vocation de bureaux, voilà, de cet ensemble à l'est de Monaco qui devra être véritablement un des points forts du développement à l'ouest de la principauté dans ses diverses activités pour les décennies qui viennent. Merci. Oui, elle a raison, oui. C'est vendredi 11. Dans la matinée, à 9h du matin. Voilà. Bien. Notre représentante, Madame Rougagnon-Vernin, y sera. Certainement. Bien. Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre, néanmoins essentiel, de 873 millions d'euros, grâce notamment à la TVA ? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais le mettre aux voix. Y a-t-il. Donc je mets ce chapitre 3 en voie. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Ce chapitre 3 est adopté. Je vous remercie. Mes chers collègues, nous allons passer aux dépenses de souveraineté à la page 7, s'il vous plaît. Section 1, dépenses de souveraineté. Chapitre 1, Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain, 11 950 000 euros. Merci, je mets ce chapitre 1 en voie. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Il est adopté. Chapitre 2, Maison de Son Altesse Sérénissime, le Prince, 1 883 000 euros. Merci, je mets ce chapitre 2 en voie. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Il est adopté. Chapitre 3, cabinet de Son Altesse Sérénissime le Prince, 6 773 400 euros. Merci, je mets ce chapitre 3 en voie. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Il est adopté. Chapitre 4, archives et bibliothèques du Palais Princier, 552 600 euros. Merci, je mets ce chapitre 4 en voie. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Ce chapitre 4 est adopté. Chapitre 6, chancellerie ordre princier, 125 000 euros. Je mets ce chapitre 6 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Il est adopté.
Chapitre 7, Palais de Son Altesse Sérénissime le Prince, 22 565 200 euros. Merci, je mets ce chapitre 7 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Nous passons à la section 7 et nous reviendrons, Monsieur le Secrétaire Général, après aux dépenses ordinaires, assemblées et corps constitués. Donc, nous arrêtons là nos travaux ce soir et nous nous retrouverons mercredi à 17h. Nous attaquerons la section 7. Je vous remercie.